Welcome aboard, Captain. Ok, excellent. Salut à tous. Est-ce qu'il y a des gens seulement? Oui, il y a des gens. Salut, enchanté. Sur un... Hop, comment ça vient? Tranquillement, oui. Quel bel après-midi. Attendez. Attendez, laissez-moi... Ouais, augmenter un tantinet le micro. Genre, pas énormément, mais ouais, un peu quand même. Voilà, tac, excellent. Laissez-moi calmer un petit peu le... Ouais, très bien. Full cam. Waouh. Que je suis archi pas centré sur la cam, mais ça marche aussi. Ça va. J'ai plus de cheveux. Enfin, j'ai plus de cheveux sur les côtés. Et on va continuer une description. Je suis désolé, j'ai lancé le live tard. J'ai lancé le live tard, mais je suis toujours pris dans mon montage de la prochaine vidéo que j'essaye de rush comme jamais. J'ai les cheveux mouillés aussi. Ils sont pas grands, ils sont vraiment juste. Je me suis douché il y a trois quarts d'heure. Ok, je suis très content de vous voir. On va avancer un peu sur Inscription, je suis désolé, j'ai pas streamé, ça fait bien 3-4 jours, mais c'est pas que je fous rien, c'est que vraiment j'avance sur la vidéo, mais c'est un enfer. Je suis à 45 minutes de montée maintenant, et je réalise un truc extrêmement problématique, qui est que la vidéo s'allonge, je suis passé de 30 à 35 à 40 à 45 minutes, mais sur mon script j'avance pas. C'est-à-dire que j'étais à genre page 9, et en rajoutant 10 minutes de vidéo, je suis passé à page 10,5. Donc très probablement que le montage traîne en longueur comme jamais. Genre vraiment comme jamais. Genre en fait ce que je soupçonne, vous voyez ce truc que j'aime bien faire, de faire des pauses pendant 10 secondes pour que vous puissiez apprécier la musique et un truc joli sur le jeu. Je crois que je suis en train de forcer sur ça comme genre jamais auparavant dans ma carrière. Et je suis vraiment en train de me dire... il va se passer un truc, c'est qu'une fois que j'aurai terminé le montage, il va falloir repasser dessus et cut dans tous les sens parce que j'ai vraiment peur que ce soit irregardable en l'état. Genre. À moins que ce soit vraiment le jour dans l'année où t'es déter et que t'es prêt à regarder 4 heures de la vidéo la plus lente du monde, il va vraiment falloir recut ça pour y mettre un petit peu plus d'énergie. Attendez, la caméra est bizarre. Ouais. Bon, elle est. Ouais. Bon, en fait, dans tous les cas, vous aurez ça. Hein. Ça n'a pas changé, ça. C'est. Ouais. Tu peux le faire en plusieurs parties. Oui, je pourrais le faire en plusieurs parties. Le problème, c'est que comme c'est déjà turbo long. Alors c'est vrai que, comment dire, les parties vont pas me sauver tant que ça, parce que c'est vrai que c'est plus décourageant d'arriver sur une vidéo et de voir 2 heures que de voir 40 minutes, mais l'intérêt c'est que vous arriviez à la fin, l'intérêt c'est que vous ayez les révélations finales et genre tous les trucs stylés à la fin. C'est ça qui fait que ça vaut le coup de regarder toute la vidéo. Et si je vous oblige à regarder 3 voire 4 épisodes différents avec à chaque fois 2 semaines d'attente, personne va aller jusqu'à la fin. Il est possible que des gens se déterrent et regardent les 2 heures d'un coup et à la fin. Mais vraiment, si genre... Imagine, tu regardes un premier épisode,
Tu regardes un premier épisode, ça traîne en longueur pendant 50 putains de minutes, et puis t'as pas la conclusion. Puis tu regardes un deuxième épisode, parce que t'es vraiment déter, et ça traîne en longueur pendant 50 minutes, et t'es toujours pas à la fin de l'histoire. C'est quoi les chances pour que t'aies la foi de lancer le troisième épisode? Elles sont faibles, elles sont très très faibles. Alors que... Bah si genre je balance toute la vidéo d'un coup, il y a des gens qui vont se dire, bah ok, bah c'est mon film pour ce soir, et puis nique sa mère. Voilà. Et eux au moins ils verront la vidéo jusqu'à la fin, et ils le regretteront pas. En fait le problème c'est que je suis sûr et certain que la fin vaut le coup. Je sais juste pas comment m'assurer que les gens arrivent là, enfin que la majorité des gens arrivent là sans se tirer une balle. Mais après en vrai... Voilà quoi, c'est les doutes qu'ont 100% des gens qui font des vidéos qui durent plus de 15 minutes, hein. Je suis pas spécial, hein. Vraiment, là je vous partage vraiment, je vous partage rien d'exceptionnel, je vous partage les doutes de 100% des gens qui ont essayé d'écrire un scénario depuis que le concept d'écrire un scénario existe, hein. Vraiment, oh là là, est-ce que les gens vont arriver à la fin de mon film? Ouais frérot, ouais, t'es bien, bien joué. T'es le 10 millionième être humain sur cette terre à te poser la question. Du coup, ouais, peut-être que la vidéo sera bien, peut-être qu'elle puera la merde, mais bon, voilà, en fait, la vie est pleine d'inconnus, en fait. Ok, si on jouait à Inscription pour changer les idées. Aussi, je me suis fait un café au miel. Comment ça se passe, Inscription? On était où? Qu'est-ce qu'on faisait? Aussi, je suis désolé si je suis un peu mou pendant le live, c'est parce que je manque de sommeil. Mais attendez. Faut que je remercie les subs. Je dois remercier les subs. Que personne ne bouge. Merci beaucoup, Moineau. Moineau avec un O. Merci pour ton sub, Moineau. Merci, Panvalk. Merci, Ethereas TV. Ça fait 6 mois, Ethereas. Waouh, merci Cyberchat78 et merci Camille. Mais Camille, tu t'étais pas resub au dernier live déjà? Tu te resub toutes les semaines, toi? Merci, tiens, puisque je viens de le voir, Sekai Desubits. Alright. Bon. Du coup, je sais plus tout ce qu'on devait faire, en fait. C'est quoi le schmilblick, déjà? On échange... Alors, lui, il vend des trucs. Je lui avais acheté Ouroboros. Est-ce que je lui avais acheté un chat? De toute façon, j'ai plus assez pour lui acheter un chat. Merci pour le sub, OG Geek. Si. On avait battu le Big Boss. Si, on avait battu le Big Boss. Et juste, vraiment, là, on se barrait dans une autre région, en fait. Et il se passait rien d'autre, en fait. Oh, le pont est réparé, très bien joué. Il avait dit, réparer le pont me prendra exactement autant de temps qu'il t'en faudra pour battre le premier scribe. Je m'en souviens très très bien. Ok, le chat, est-ce que vous avez une région préférée? C'est le même jeu qu'avant les chis? Je suis pas sûr de comprendre la question. Ok, est-ce que vous voulez science cybernétique en haut à gauche? Petites îles multicolores en bas à gauche ou main flippante en bas à droite? Qu'est-ce que... Les mechas, super Panvalk, parce que je sais complètement de quoi tu parles, du coup ouais, les mechas, allons-y. Science, main flippante. J'ai vu trois mains flippantes d'affilée, donc ce sera la main flippante. Ok. Je reconnais, ça c'est la tour de l'avant-ville. Te voilà, merveilleux, je suis Grimora, script des âmes défuntes. Oh, c'est la punaise. Il n'y a pas si longtemps, j'étais déchu, je sais, tu étais une punaise. Et à un moment, je t'ai mis vol, et c'était une catastrophe, et t'attaquais jamais les mobs que j'avais besoin que t'attaques, c'était un enfer. Et j'ai retrouvé ma gloire d'antan grâce à l'aide de quelques amis improbables. Ils ont pas l'air de se souvenir que c'est moi, mais ça se trouve, c'est pas moi, ça se trouve pour eux, je suis pas du tout le personnage qui a abattu les filles. Avant de mettre tes compétences à l'épreuve, il te faudra déjà me démontrer ton intelligence. Ah, c'est loose. Tu dois essayer de savoir sous quelle tombe gisent mes adorables ghouls. Ok. C'est quoi ça? Tu as trouvé un épitaphe. Il est écrit « Mangé par un chien affamé ». Oh bah super.
Mangé par un chien affamé. Ok, ok, donc je ramasse un épitaphe, ça va sur un emplacement. J'espère qu'il s'est placé au bon endroit tout de suite, vous voyez ce que je veux dire? Ne garde aucune rancune. Donc par exemple, si je reviens là, qu'est-ce qui va se passer? Ok, ok, il se range tout seul, donc on part du principe qu'ils sont aux bons endroits. C'est quoi des ghouls déjà? Une ghoule, c'est une créature mort-vivante. C'est genre un cadavre réanimé, c'est comme un zombie. Enfin, c'est genre... C'est pas comme un zombie, c'est un truc qui mange des cadavres. C'est genre un mort-vivant qui mange d'autres morts-vivants. Je sais pas, j'ai pas un doctorat en mort-vivant, mais il me semble que c'est... Tu trouves le Tados et tu trouves un booster. Bon, ok, c'est quoi le... Est-ce que je suis obligé de jouer mort-vivant maintenant, ou est-ce que je peux garder mon deck bête? Et genre, est-ce qu'il y a un intérêt à faire des decks mix, ou est-ce que c'est toujours plus fort d'avoir des cartes de la même région? Parce qu'en fait, là, si je trouve plein de boosters de mort-vivant et que je peux jamais m'en servir, je vais être triste. C'est ça qui va se passer. Chien squelette. Ah, et donc évidemment, les morts-vivants, ça se joue avec les os. Roi des momies. 8 os, 3, 3, 13. 13 os, 5, 5, vol et se déplace. Cavalier sans tête. Ouais, mais se déplace, ça dégoûte. Chien squelette. Faudrait que j'essaye quand même d'ajouter un minimum de bestioles à ma... Ma genre... Oh non! Oh non, non! Ne me regarde pas. Ne grogne pas et ne renifle pas, je t'en supplie. Ah ok, donc lui, il s'est fait... Lui a été mangé par un chien. Si tu veux te battre, qu'on en finisse. Hein? Oh! Je me suis fait aggro par le squelette! Ou la goule! Le truc! Ok, c'est parti. Il va m'envoyer un chien squelette. Les deck mix sont cool parce que ça utilise différentes ressources. C'est très vrai, c'est très vrai. C'est très réel ce que tu dis. Voilà ce que je propose. Voilà ce que je propose. Écureuil into cat. Into taupe. Et la prochaine fois... Qu'est-ce qu'il fait le chien? Créature ADM fait face à un emplacement vide. Chien squelette se déplace vers cet emplacement. Ah, c'est parfait. C'est parfait ça. Parce que du coup, je vais pouvoir mettre la vipère. Le chien va se mettre en face d'elle et va se faire one shot. Mon écran vient de s'éteindre. Je suis désolé. Vous savez que ça, je n'arrive pas à le régler. Vous savez que j'ai passé vraiment un temps raisonnable sur Internet à essayer de comprendre comment empêcher qu'un écran fasse ça, et ça ne marche pas. Sur Windows, j'ai mis temps d'éteindre l'écran à jamais, et ça ne change rien. Train de live accompli, bien joué à tous, merci beaucoup. Merci au GGK pour ton sub. Bon. Est-ce qu'il y a... Depuis que Mars a repris, il y a du pollen dans l'air, et ma réaction au pollen à moi, c'est d'avoir la gorge prise. Donc si je galère un petit peu à parler, c'est normal, c'est les allergies. Vous avez obtenu toutes les icônes du niveau 2, merci pour ton sub, Songrad. On dirait que ta CG se débranche vu le bruit. Non, 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 c'est vraiment juste l'écran, c'est... Que ma CG se débranche. Non, c'est pas un truc qui se débranche parce que c'est un timer. C'est un timer. Tu devrais sacrifier Ouroboros. Oh, mais... Bon, alors attendez. Passez son tour. Le dogo. Oh là. Revenant. Après avoir attaqué, revenant meurt. Ok. Super. Mais il est gratuit. Oh, ça, c'est une carte de fou. Enfin, plus ou moins. Ok, voilà ce que je propose. Écureuil. Chien squelette bondit en guise de défense. Oh non. Vas-y, bondis là, chien squelette, et maintenant, tac. Salut. Vipère touchée de la mort. Ça, c'est bien, ça. Oh, t'es un connard, homme taupe. Homme taupe creuse, t'es un idiot, parce que du coup, ouais. Bah, super. J'ai rien qui tape vraiment fort, hein. Je vais garder mon terrier, je vais juste attaquer une fois avec la vipère. Squelette va taper de 1 et va tuer ma... Je n'ai rien qui tape. Bonjour, Luxion. Les cheveux ont changé un petit peu. Un petit peu. J'ai l'air du cousin éloigné et nettement moins charismatique de Tommy Shelby maintenant. By order of the Peaky Blinders. Oui. Je sais pas quoi jouer, j'ai rien, c'est la merde. Hop, ça dégage.
2 de dégâts, je me fais tuer ma vipère. Je comprends rien au jeu, c'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes relativement classique, hein. Je mets des cartes, je tape dans ses points de vie, tout ça, tout ça. Tout ça, quoi. J'ai des lapins. Je n'ai rien. Je n'ai rien avec quoi attaquer. Ça fait 4 tours que j'ai pas pioché un truc qui fait un point de dégâts, c'est quand même fou. Là, l'homme taupe va crever. Ouais, on est chez les morts vivants. Squelette s'effondre. Écureuil. Je n'ai apparemment pas de carte qui fait des dégâts dans mon deck. Dommage. Est-ce que les lapins, ça fait des dégâts? Mais non. Mais non. Mais oui. C'est super grave. Heureusement qu'il a plus de mobs. Hein. Heureusement qu'il a plus de mobs. Hein. Ça aurait été la course dans ce... Ça aurait été la course dans ce match, c'était lose. Ah! Au moins j'ai de quoi sacrifier. Là mon gars, je sacrifie comme jamais. Hein. Vas-y, petit du Wapiti. Vas-y, Wapiti. C'est un truc de fou. Hein. Fini, tu m'as dévoré. Regarde ailleurs. Regarde plutôt ce booster. Roi des momies. Cavalier sans tête encore. Droïde costaud. Droïde costaud, c'est un tank pour 5 de pile. La RNG aide pas si t'as trop de cartes inutiles. J'ai trop de cartes inutiles. Il ne fait aucun doute que j'ai trop de cartes inutiles. Squelette mage. Après avoir attaqué, squelette mage meurt. Mais tous les squelettes meurent après avoir attaqué. En fait, c'est une catastrophe. Meurt quand son propriétaire n'a plus de cartes mox sur le plateau. C'est quoi mox? Les cartes mox gagnent 1 de puissance. C'est quoi mox? Ok, on va changer le deck. Mon nom c'est Sawyer, je vis sous la tombe du milieu. Ne déterre pas mes os. Je vais trouver un épitaphe. Sawyer Patel. Ben non mec, c'est pas possible. C'est pas possible mec. Ah si c'est possible parce que c'était... Si. J'étais en train de dire dévoré par un chien. Mais non. Bah non, maintenant tu m'as menti en fait. On sait tous que... Ah! Attends, je peux les bouger? Ok. Comment est-ce que je fais du coup pour... Comment est-ce que je fais pour le bouger sur la tombe du milieu? Vous voyez ce que je veux dire? Parfait. Parfait, j'ai compris. C'est bon. Est-ce qu'on va voir ce qu'il y a en bas? Ok, épitaphe. Mort du scorbut. Ah, je pensais que ce serait un booster. Tu n'as pas d'offrande? Non, j'ai pas d'offrande. Ok, il me faut un... Modifier le deck, il faut qu'on dégage des cartes qui servent à rien. C'est très important, j'ai 25 sur 20, J'ai 7 écureuils, mais qu'est-ce que je fais en fait? J'ai 3 chats, non mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai 4 garennes, bon, bref. Le pire, c'est que j'avais des cartes qui faisaient des dégâts, hein. Je les ai juste pas piochées. Est-ce qu'on mettrait pas un petit peu de mort-vivant dans ce deck juste pour rigoler, genre? Demacia, ouais, merci pour le sub. Dins, ton meilleur pote. Salut Dins, mon meilleur pote. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Quand les marcheurs... Ah, ok. Vous savez quoi? On va se rajouter quelques... Quand les marcheurs meurent, accordent 4 os au lieu de 1. Ouais, mais sauf que les marcheurs coûtent 4 os, en fait. Donc ça me sert à quoi? Quel est le but? Vous voyez ce que je veux dire? Roi des momies, c'est super cher. Il m'en faudrait un qui est pas trop cher, aussi. Je me rajoute quelques cartes zombies juste pour voir. Juste pour voir si j'arrive à les jouer un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça veut dire que du coup, je dois peut-être virer des cartes un peu... Je dois peut-être virer des cartes, non? Je tente des trucs. De toute façon, on n'est pas dans un... dans ce passage du jeu. Si tu perds un duel, tu te fais pas renvoyer au tout début.
Une rondelle de citron pointe le bout de sa pulpe, jaune et frais comme un citron. Tu songes réellement à me presser comme un citron, moi? Ok. Ok, jeune fantôme. Allons-y. Hein, toujours rien qui fait des dégâts? Si. Si. Oula. Squelette, bateau fantôme. Bateau fantôme, il bouge. Mais il attaque pas. Juste, il défend. Il bouge et il défend. Invoque un squelette à son ancien emplacement. Oh! Quel enfer. Waouh. Ah ouais, très relou. Très très relou. Fuck. Ok, voilà ce que je propose. 4, ici. Ouais. Piaf à droite. Comme ça, il se retrouvera face au bateau. Il ne sera jamais attaqué. Il pourra taper en paix parce que le bateau, il bougera plus. Un, deux, trois. Là, il va taper de 1. Squelette meurt. Voilà, parfait. Bateau en face. J'ai combien de d'os? N'a pas gagné assez d'os. Tu gagnes un os quand une de tes créatures meurt. Dommage. Ça, c'est le problème de jouer squelette, du coup. Sauf que j'ai gagné. Bien joué à tous. Tu m'as réduit en pulpe. Hop là, donne-moi le booster. Donne-moi le booster. Squelette mage, on sait ce que c'est. Fossoyeur, à la fin de son tour, génère un os. Ok, ça sert vraiment à farmer les os. Sacrifie Roboyan, on accorde 3 gouttes de sang au lieu de 1. Oh, c'est une chèvre. C'est une chèvre, robot viande. Il y a un problème. Ah, c'est pas grave. Bonjour, Yotored. Le fossoyeur, trop bien pour le deck mort-vivant. Bah ouais, en fait, mais faut vraiment... En fait, faut quand même... Faut quand même commit un petit peu et jouer quand même majoritairement une couleur, je me dis. Parce que si je commence à choper, si je commence le duel, je chope Fossoyeur, je commence à farmer les os et après je tire plus que des bêtes, j'ai l'air stupide. Mon nom de famille, c'est Royal, la tombe tout à droite, regarde le haut du tombeau. Hop là, Royal Dominguez. Ok. Pitaf. Assommé par une stalactite, je sais pas encore qui c'est. Booster. Bonjour, bonjour à tous. Pieuse de tombe. En échange de un os, ajoute un squelette à votre main. Pourquoi pas. Bateau fantôme, c'est stylé. Jeune sage. Robot viande encore. Drogueur, sacrifice impossible. Ah. Ok, il doit mourir pour ramener la bestiole qui est à l'intérieur de lui. En vrai, je suis vraiment chaud d'essayer de jouer full mort-vivant. Genre, la vérité... La vérité, les amis, c'est que... Je veux dire, autant s'amuser et essayer les différentes couleurs. En fait. Vous voyez ce que je veux dire? Autant rigoler, je vais garder les écureuils et le chat, bien sûr. Et probablement perdre au passage, mais je vais garder une. Qu'est-ce que je fais? Majoranx. Mox de rubis. Ah, un mox de rubis. Ça, j'en ai besoin. Je vais rajouter un mox de rubis. Deux même. Parce que si jamais j'ai plus de mox sur le plateau, je perds mon mage squelette. Tu peux mixer les deux decks, ça marche bien? Bah, franchement, je sais pas. Parce que, genre. Setup un deck, ça demande déjà pas mal de cartes. Si je mixe, en gros, si je veux avoir les cartes qui m'intéressent, faut pas que je monte probablement beaucoup au-dessus de 20 cartes. Si je mixe, ça veut dire 10 bêtes, 10 morts vivants. Ah, il y a quelqu'un dans le miroir qui n'est pas moi. Épitaphe, il n'y avait pas de remède. Alors le remède est probablement pas pour la personne qui a été assommée par un stalactite. Waouh! Mais qui suis-je? Mais waouh! Mais waouh! Il est chaud. Salut! Moussaillon? Ah, maintenant il m'appelle Moussaillon. Oh!
Il me donne des noms différents selon... Selon qui je suis? Je suis un marin là? Mais... Quelqu'un a laissé la clim allumée? Ah, ça caille ici. Ok, lui il s'est fait assommer par un stalactite. Lui c'est la personne qui s'est fait assommer par un stalactite. Ok, ça va tenter de jouer mort-vivant. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Ok, écureuil, c'est quoi ça? Banshee! Oh là là, y'a rien qui va... Pas le même jeu, c'est le même, mais le vieux celui-là. Alors c'est compliqué. C'est le nouveau, mais il a un look de vieux. Tu vois ce que je veux te dire? Là normalement j'ai gagné un os quand même en sacrifiant une bestiole. Ouais ok, j'ai gagné un os, excellent. Donc je propose de mettre Fossoyeur en face de la bestiole qu'il faut pas taper parce que le Fossoyeur est à 0 de toute façon. Voilà, très content. Et alors Mox de Ruby, on sait pas si on en a besoin tout de suite. Fossoyeur déterre un os. Let's go! Pioche une carte, frérot. Un écureuil. Exactement ce qu'on voulait. Je vais perdre mon chat, du coup. Quel dommage. Piochons une autre carte. Ah, il a tué mon chat. Non. Frère, c'est quoi ça? Ça sert à rien de mettre... Je vais tanker un coup avec ça, mais ça sert à rien d'en mettre un en face de la Banshee. Elle vole. Non, mais c'est quoi ce... C'est quoi cette pioche? Ah. Ah. J'ai absolument pas de quoi l'invoquer. Roi des momies, 8 frère. 8. 8. Je crois que c'est lose. Hein. Je crois que j'ai officiellement perdu. Hein. Je peux mettre un... Je peux mettre Mox de Ruby pour tanker le revenant, mais vraiment... Ouais, j'aurais pu mettre un écureuil aussi, mais vraiment... Trop d'écureuils, je peux pas encore avoir trop d'écureuils. J'ai enlevé la moitié des écureuils. Ah, 13. 13. Bon, oui, bon gars. 13, évidemment. J'ai 4 de retard si je les laisse taper. Je perds. Voilà, si je les laisse taper, je perds, en fait. C'est un enfer. Je suis obligé de sacrifier mon roi des momies et c'est lose. Non, c'est pas... Non, 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 ok. Si, je sais pas. J'ai besoin de sacrifier... Putain, c'est un enfer, j'ai besoin de sacrifier l'écureuil. Je pourrais sacrifier le Fossoyeur, en fait. Je peux mettre l'écureuil là. Je peux mettre l'écureuil là pour tanker le revenant. Et sacrifier le Fossoyeur. Pour pouvoir ramener le roi des momies et taper. Et je gagne un tour. Je rééquilibre un tout petit peu. Sauf que j'ai un os. Et c'est lose, en fait. Pas encore. C'est pas loose parce que le revenant, il est mort en fait. Je rééquilibre un peu. Ah merde, il a mis un drogue en face de moi, c'est quoi ça? Tados. Oh là là, j'essaie... Je suis revenu à 0-0 par le bout des ongles sur ça. T'as prévu de faire une vidéo sur ce jeu? Mec, j'ai prévu de finir la vidéo sur Outer Wilds et partir à la retraite, vraiment. J'ai juste envie de crever. Hein. Tu gagnes un os avec le marteau? Ouais, je gagne un os. Ah, le marteau, on est tous d'accord. On est tous d'accord que le marteau, il n'existait pas dans la version d'avant du jeu, genre dans la version en 3D. Je l'ai jamais vu, le marteau qui permet de tuer une bestiole gratos. Tados. En échange de deux os, Tados voit sa puissance et sa santé augmenter de 1. Activation requise. 1. En vrai, ça peut devenir très fort très vite. Ça peut devenir très fort très vite comme carte. En plus, il n'y a pas de coup. C'est une dinguerie, ça. Si j'économise genre... J'économise 8 os, je peux juste le poser et le passer genre en 4-5. Ou est-ce que je peux activer son pouvoir qu'une fois par tour? On se pose plein de questions. Hein. On se pose vraiment plein de questions. De toute façon, je peux pas faire grand-chose. Voilà, super. Oh, encore. Frère, c'est quoi cette pioche? Il n'y a donc aucune créature intermédiaire dans ce deck? Je n'ai probablement pas de créature intermédiaire, en fait. Invoque plus sacrifie. Chat. Puis Tados.
Ouais, mais j'invoque le chat avec quoi? En tuant mon seul mob. En tuant mon unique mob qui sert à quelque chose? Non? Figure-toi que je n'ai plus d'écurie. Je les ai tous envoyés tanker. Je vais attaquer un drogueur pour voir ce qui se cache à l'intérieur. C'était un squelette de merde. Qui du coup meurt. Super. Excellent. Alors attendez. Si je sacrifie un. Je peux faire écureuil chat, gagner 2 os, poser Tados et lui faire gagner 1-1. C'est déjà ça. J'ai envie de dire. Chat, tac, 2 os. Paf. Ouais, j'ai compris. J'ai compris. Ça, j'ai compris. Paf! Tados gagne en puissance. Et la double attaque, on tape à 4. Et on gagne en fait. Clean. Clean. Quasiment injouable ce deck infernal, mais l'ennemi ne faisant rien, bien joué à tous. Alors, main arrachée. Oh, main arrachée comme dans Vendredi. Ok. Je reviens une seconde. Je reviens. Ok. J'ai dit quoi? Wednesday? Oh putain, mercredi. J'ai dit vendredi. Super. L'abruti du village. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau qui se joue? Main arrachée. Jouez main arrachée. Défausse votre main et vous fait piocher une nouvelle main de 4 cartes. Oh. Non, attends, 5 os pour pas savoir ce que tu vas avoir dans la main. C'est un enfer. Bateau fantôme, on a vu que c'est. Honnête. Sarcophage évolue après 4 tours sur le plateau. 1 tour sur le plateau. Ouais, pourquoi pas. Je m'appelle Casey Hobbs. Je suis sous la tombe de gauche. Ouais, ça on avait compris. Ok, alors. Est-ce qu'on descend dans le puits? Est-ce qu'on parle à ce crâne? Non. Je vais récupérer un fragment d'épitaphe. Défibrillateur n'a pas réussi à la ramener à la vie. Ça, c'est Casey. Parce qu'en fait, Casey, c'est notre seule femme dans les trois, il me semble. Un marchand. On regarde ce qu'il a à vendre. Mais j'ai pas beaucoup d'argent. J'ai acheté. Ah, mais oui, c'est vrai, j'avais acheté Ouroboros. J'ai viré Ouroboros de mon deck? Probablement. Tados, squelette, il n'y a que zombie que j'avais pas là-dedans. Zombie, c'est vraiment la carte de base. Pourquoi j'ai pas zombie? Pourquoi j'ai pas d'argent, surtout? C'est quoi ce jeu? Inscription, un jeu de cartes. Et un peu d'horreur, des fois. C'est pas très clair. Il y avait quoi à faire en bas, déjà? Lui, il voulait une offrande. Alors. Il ne garde aucune rancune. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit ça. Hein. Il ne garde aucune rancune. Alors, Royal Dominguez, mort du scorbut. Et il n'y avait pas de remède. Ça, c'est logique. Et du coup, Casey. Stalactite. Défibrillateur. Voilà, juste bravo. Juste bravo, juste bien joué. Tu es prêt? Tu n'auras jamais raison de moi. Alors,
Laisse-moi decker le deck. Merci pour le sub, Hypnox. Merci bien, ça fait plaisir. Je vais rajouter la main pour le lol. Je vais rajouter le bateau. Vraiment pour le lol. Le sarcophage. Sarcophage très important parce qu'en fait j'ai... Ouais, et toi? Parce que j'ai très peu de bestioles de milieu de gamme. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup de trucs à la con aussi. Vous voulez que je mette Ouroboros? Allez, je mets Ouroboros. Je mets Ouroboros, on sait jamais. Allons-y, battons-nous. Je me suis fait ignorer un don de beats. Merci Draxico. J'ai pas entendu le bruit des beats. Ça fait plaisir. Merci bien. Je sais toujours pas à quoi ça sert les beats. Je sais pas ce que tu m'as donné, mais je pense que c'est simple. Je te suis quand même reconnaissant. Mes sbires ne meurent jamais vraiment, tu sais. Voyons comment tu t'en sors. Ah, t'as un Klebs déjà sur le terrain? Bien sûr, je vois. Et j'ai zéro os. Mais ça, ça peut s'arranger. Mage squelette, 4. Ah oui, donc le mage meurt s'il attaque ou s'il n'y a plus de mox. C'est un enfer. Les bits, c'est de l'argent comme les subs, mais plus direct. Comment ça pourrait être plus direct? Parce que les subs, c'est littéralement de l'argent. Oh non, c'est un boss, c'est vrai qu'elle a deux vies. Ok, voilà ce que je propose. Non, en fait, on a vu que le drogre, c'est de la merde. En fait, le drogueur, c'est de la merde parce que, genre, le mob qui est libéré à l'intérieur, il est nul à chier, c'est genre un squelette 1-1. Les systèmes de dons de Twitch. Comme ça, c'est plus clair. C'est un tank, mais il tank. Ouais, bon, c'est un tank. Il tank pendant exactement un tour, quoi. Tank pendant exactement un tour. Un tank, c'est genre la tortue. Vous vous souvenez de la tortue qui avait 6 de vie? Ça, c'est un tank. 2, oui. Ouais, 2 du coup. 2 du coup. Et comme il meurt deux fois, il donne 2 os. Et ça, c'est pas idiot, genre. Ça coûte rien et pas cher. Bah, ça coûte rien, un os. Donc en fait, non. Ça aurait coûté 0 os. Ça aurait rien coûté un os. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, bon, je dirais écureuil. Écureuil, tac, chat. Chien squelette bondi en guise de défense. Merde, c'est vrai qu'il fait ça, ce con. C'est vrai, j'avais oublié mon bad. Bon, bah, on a perdu le 4. Ah non, on n'a pas perdu le 4. Parce que drogue, hop là. Voilà, passer son tour. Petit squelette nul là. Oh, j'ai mon mox pour faire. J'aime bien ce que je vois. J'aime bien ce que je vois. Sacrifice du chat? Non, sacrifice du squelette. Oh, sacrifice de quoi? Fuck. Sacrifice du chat en vrai. Je tente un truc. Mox? Oh putain, le chien va sauter quoi qu'il arrive. Le chien va sauter quoi qu'il arrive. Faut que j'arrête d'oublier que le chien il fait ça. Faut que j'arrête d'oublier que le clébard il fait ça. Je vais perdre mon mage pour rien. Je vais perdre mon mage pour tuer le chien pour aucune bonne raison. Elle est vraiment moche la suite de ce game. Alors je t'avoue que je préférais l'esthétique des 5 premières heures. Mais on gagne quand même. Tu peux détruire le squelette avec un marteau? Oui. Oui, mais c'est pas ce dont j'ai besoin là tout de suite. Au moins plus de chien. Ouais, mais vraiment, j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça pour me débarrasser du Klebs. Je suis abattu. Une belle occasion d'utiliser ma plume. Rip chien squelette, tour 1, tour 2, cause du décès. Celle-ci revient de quoi? Quoi? Donc là, mes deux, ouais, voilà. Impeccable. Parfait. Voilà, je crois qu'en vrai, ce duel est loose, en fait. Ouais. Ouf. Ouais. Ok. Mais encore. Oh, c'est archi loose. C'est archi loose. C'est pas grave, on le refait. Qu'est-ce qui se passe quand je perds dans ce jeu? Que je veux faire avec ce deck? Pff, il est infernal. Qu'est-ce que je veux faire de ce foutu deck?
C'était plutôt de détruire le chat. En vrai, on peut réessayer. Comme ça nous coûte rien, on réessaye une fois avec le duel des morts vivants et on essaye de pas troll en n'oubliant pas le... On essaye de pas oublier le passif du dog. Voilà. Et je peux pas poser le 4. Si je peux poser le 4, à condition de poser autre chose derrière, genre. Genre un écureuil. Quel enfer. Comme ça, je perds un écureuil au lieu de perdre le chat. Super. Ah, bah on va perdre le chat quoi qu'il arrive. Il va m'attaquer. Non, il attaque pas tout de suite. Il faut absolument que je puisse poser un truc. Ah ouais. J'aime bien à la limite. Squelette mage meurt. Non mais... Frère, t'es sérieux? Je pensais que j'avais au moins le droit de la poser, genre... Je pensais que... J'avais même pas le droit de la poser, frère. Je pensais que je la perdais à la fin du tour. Ok. Donc le mage ne vit vraiment même pas une seconde s'il n'y a pas le mox. M'en fous, je vais essayer. Il a l'air chaud le boss là. En vrai, non. En vrai, non. Le deck est juste catastrophique. C'est beaucoup plus mes cartes qui galèrent que le boss en fait. Voilà, j'ai pas un seul écureuil en fait. Qu'est-ce que c'est le plan en fait? Qu'est-ce que c'est le plan en fait? Je laisse me mettre 2 de dégâts et je prie pour qu'il y ait un truc incroyable qui arrive. Bah pas, putain, frère. Pas toi déjà. Je peux pas invoquer le chat, je peux rien poser. J'ai 0. Je suis obligé de sacrifier Tados pour faire un truc en fait. Prochain tour, je perds Tados. J'ai pas d'os. Bon, ok. C'est un retour au deck bestiole qui va être opéré extrêmement vite parce que là. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire, mais j'arrive pas à les faire marcher ces cartes morts-vivants. J'arrive pas à les faire marcher. Pourquoi les trucs utiles pour gagner du temps au début de partie, genre. Bateau fantôme, je les ai juste jamais piochés en fait. Squelette mage, ça dégage. Les marcheurs, pareil, les marcheurs, je vois pas dans quelle situation c'est utile. Rocal. Wapiti, Ouroboros, ouais. Mulot. Jouer Mulot, on ajoute une copie dans votre main. Ouais. Taupe, hermine, lapin, grizzly, corbeau, c'est fort sa mère en vrai. Non, corbeau ou faucon? C'est quoi la différence? Ok, ouais, le faucon fait mal. Le faucon fait juste très très mal. Mais il est moins tanky. On va mettre des faucons plutôt. Garder la carte qui demande 2 os pour upgrade, elle coûte rien. Tu as raison. C'est quoi le problème avec ce build? Il y a trop peu de cartes utilisables en fait. En fait, t'as plein de cartes qui coûtent rien et qui sont fondamentalement inutiles, comme Draugr et Fossoyeur, ou genre les marcheurs. Mais pour commencer à sortir des trucs un tout petit peu forts comme Roi des momies ou Cavalier squelette, il te faut une quantité d'os tellement élevée que t'as déjà perdu la game à ce moment-là en fait. Et t'as rien au milieu pour temporiser. Enfin, t'es censé avoir Bateau fantôme genre, ou les marcheurs pour temporiser aux alentours des 4 os, mais genre c'est trop dur. Merci pour le sub, qui que tu sois, FT Raiden. Bon, voyons voir si on peut faire mieux avec un build. Avec un build comme ça. Bon, si j'envoie le faucon, c'est archi loose. Tados, c'est chiant. Tados, c'est nul de l'avoir dans la main du début. Je veux l'avoir à la fin du jeu quand plein de trucs sont morts.
L'écoutez pas, j'ai fait le jeu avec mort-vivant, c'est incroyable, genre preuve ou fake. Screen ou fake, je vidéo ou fake, je refuse de le croire en fait, le deck il est éclaté. Après, si t'as 12 000 cartes mort-vivant, peut-être. Peut-être que mon build il est. Peut-être que mon deck il est juste pas assez développé, mais à l'heure actuelle le deck il pue la merde, vraiment ça j'en suis sûr. Bon, si j'envoie les deux écureuils et puis le faucon, vraiment le faucon il a le droit de taper une fois avant de crever, hein, mais après bon pourquoi pas. Ou alors je. Ou je détourne son attention avec, avec le fucking Tados et je le sacrifie. Hein. Non, je le sais. Enfin, je le sais. Comment dire? Je sacrifie le Tados et puis tant pis. Hop. 3, pas mal. Si je retape, c'est win. Hein. Ah merde, elle a 2 vies. Elle a 2 vies, je suis un idiot, j'ai oublié. Tu vas pas aimer ce qui se prépare. Ouais, mais j'ai tué personne en fait, donc tu vas ramener personne. Hein? Rip toutes tes cartes? Ne t'inquiète pas, je vais te les redonner. Ouais, sur ton board. Sous forme de cadavre. On rigole bien. Ouais. C'est quoi? C'est un faucon zombie ça? Qui peut plus taper? Ça sert à quoi d'avoir une carte qui vole avec 0 de. Je peux invoquer le louveteau, c'est déjà ça. Oh putain, quel enfer. Tu peux faire tank le Tados, oui. C'est ce qui s'est passé. Miam, 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 miam. Si j'envoie le louveteau, le chien se retrouve... Le chien est infernal, en fait. Le chien est juste ingérable. Sauf qu'il tape à 2... Si je pose le louveteau, il est dead, hein. Il est dead in the water. Je peux juste tanker le... Je peux tanker un truc avec le corbeau. Et c'est tout. Autant que ce soit le chien, il tape à 2, hein. Je crois que j'ai lose. je crois que j'ai lose. Attends un tour. Bah, en vrai, si j'attendais un tour, c'était le même résultat. C'est le même résultat, hein. Parce que là, supposons que j'ai passé un tour et que j'ai encore mon corbeau, je peux poser le corbeau, envoyer genre le louveteau, tuer le zombie, et puis c'est tout en fait. Ça change rien. Putain, c'est infernal. J'ai pas l'impression de faire des erreurs en plus. J'ai même pas l'impression de faire des erreurs, c'est juste que... Contrairement à la première version du game où j'avais genre 3 mondes différents pour build mon deck, là vraiment j'arrive contre elle, elle a un deck qui est juste nettement mieux que le mien en fait. Peut-être que j'aurais dû gagner les matchs avec plus de différence jusque là pour avoir de la thune pour pouvoir acheter des cartes. L'erreur c'est mon deck. Bah ouais. Qu'est-ce qui a été inutile là? Salut Ginzen. Y a pas moyen de farm? Bah j'ai pas l'impression. Trop de grosses cartes, vous pensez? Pas tant que ça, hein. Pas tant que ça, honnêtement. Il a l'air presque équilibré quand on le regarde de loin. Y a beaucoup de une goutte, c'est vrai. Y a beaucoup de une goutte. Mais bon, c'est pas comme si j'avais 12 000 qui s'invoquent avec rien non plus. Tu manques d'écureuils. Peut-être manquer d'écureuils. Ah, j'en ai 6, hein. J'en ai 6, je les ai juste pas piochés, en fait. Mets des terriers de lapin, mais les terriers de lapin, ils coûtent 1 à invoquer. Je retombe sur le problème du... Je retombe sur le problème de j'ai trop de cartes qui coûtent une goutte. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Inscription.
Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau ici? Est-ce que maintenant que je l'ai battu, je gagne des cartes de fou, genre? Probablement pas. Il faut le gecko, mais le gecko... Alors, ce que je pourrais faire, c'est aller sur les autres îles, farmer les autres royaumes et choper plein de boosters. Ça peut être incroyable. Ourayuli, il est impossible à poser. Honnêtement, mon problème jusque-là, ça n'a pas été d'avoir Ourayuli et de ne pas pouvoir le poser. Ah! J'avais oublié ça! Ça va donner des cartes! J'avais complètement oublié ce truc! Il faut le moineau. Le moineau? Ok, bon. C'est quoi le principe ici? Elle va taper à 2. Elle va taper à 1, sauf si je ramène elle et qu'elle tape à beaucoup. Alors, il y a toi qui va venir bloquer, par contre. Dégage. Est-ce que ça suffit pas juste en bourrinant? Pas du tout. Elle, ça fait 1, elle, ça fait 4, elle meurt, et elle va être infernale, en fait. La question est, comment est-ce que je me débarrasse du tank? En fait, toute la question est comment je me débarrasse du tank. Il faut que le tank se fasse tuer par la vipère à 2000%, genre. Parce que là, genre, elle se fait arrêter, donc je perds 2. Elle, je perds 1. Et puis là, il meurt, en fait. Et puis juste, j'attaque. Sur ma vie que ça sert. Mais... Ah, 2, 3. Bah alors. Bloque celle-là. Ça fait 3 de dégâts, ça fait 5. Ou est-ce que je sais pas compter? Peut-être qu'il me met des dégâts aussi? Non, il me met pas de dégâts, il a rien sur le board. Je comprends pas. La taupe bloque 2 fois, oui. La taupe bloque à droite. Elle m'enlève 2 de dégâts. Puis elle vient ici. Ah, elle bloque... Ah, d'accord, elle saute d'abord à gauche. Non, ok. Elle saute d'abord à gauche, en fait, je suppose. Ça va de gauche à droite, oui, c'est ça, ok. Ouais, merci, Raflou. J'avais compris une nanoseconde avant de voir ton message. Tu as raison. Ça va de gauche à droite. Donc elle fait tac, elle m'enlève 2. Puis elle m'enlève 3. Et là, elle meurt. Et donc j'ai 1, 2... Quel enfer. Donc elle bloque pas là, elle bloque ici, elle bloque pas là parce qu'elle vole, donc elle m'enlève 3 de dégâts puis 4 et c'est pour ça que je fais 1, 2, 3, ouais. Attends. Elle bloque là et là du coup. Elle m'enlève 3, 4, donc j'ai 1, 2, 3, 4, oui c'est parfait. C'est parfait, j'ai 4 de dégâts comme ça. Si je fais ça, elle peut pas venir là, donc elle viendra là, ce qui est infernal aussi. Si je fais ça, elle peut pas venir là, elle peut pas venir là. Elle viendra là m'arrêter ça et je taperai à 4. Super. Super. Un, deux, bloqué. Meurs. Je retombe ici bêtement. À quoi sert le fait que toi tu renvoies des dégâts? Elle n'est pas ramenable de mon côté, quoi qu'il arrive. Donc c'est soit toi, soit toi. Hmm.
seulement il y a moyen de te mettre à gauche. Pourquoi le jeu est comme ça? On se pose tous cette question. On se pose tous cette question, mon gars. Créativement, c'est très original, hein. Narrativement, c'est intéressant aussi. Mais au bout du compte, ce qui se passe, c'est qu'on a perdu une DA extraordinaire pour un jeunesse, quoi. Remettons-nous à compter. 1, 2. 1, 2, 3. Là, elle meurt. Oui, non, c'est bon, c'est comme ça, en fait. 1, 2, 3. Là, elle meurt. 2. Parfait. Let's go, le booster. C'est quoi ça? Au bol. Ah bah ça c'est un truc de genre, ça c'est un truc qui aurait vachement aidé pour les squelettes. Quand au bol fragmenté meurt, accorde 4 os au lieu de 1, sauf qu'il coûte 3 os. Pourquoi les trucs qui donnent des os coûtent tellement d'os en fait? Vous voyez bien que ça m'aide pas. Enfin. Ah, Banshee. Attaque directement l'adversaire même s'il n'y a pas de créature en face. Ouais, elle vole. Oh, un autre booster. Mage néophyte. Meurt quand son propriétaire n'a plus de carte mox sur le plateau. Super. Et j'en ai fait 1 sur 4. Ah non, il y en avait qu'un apparemment. Bon bah, c'est déjà ça. Cherche la deuxième au bol. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on peut laisser mourir les mages pour avoir des os? Oui, je pense que ça donne un os quand il meurt. Bon. Voilà ce que j'avais à dire. C'est pas de bol. Et la bonne rigolade. Je réessaye. Je vais probablement un nouveau lose. Mais j'ai trouvé deux boosters, donc deux boosters que j'ai pas mis dans mon deck, hein, vraiment, donc vraiment... Tiens. Ça, c'est incroyable. Ça, par contre, comme opening, c'est absolument incroyable parce que je me débarrasse du Klebs d'entrée. Hein. Bon, il va me tuer au Ouroboros. Mais ça, vraiment, c'est un opening... Ça, c'est une ouverture de fou, genre. Dégage. Rip, chien squelette, tour 1, cause du décès, Ouroboros. Ouais. Allez, on tape. Ouais, ce serait bien qu'on laisse pas le temps. Ce serait bien qu'on laisse pas de temps à la momie d'évoluer, en fait. RIP, sarcophage, tour 2. Cause du décès, Ouroboros. Oh, et le Dogo a pris des dégâts aussi. Ça, c'est fou, ça. Je propose un hop. Il a plus qu'un point de vie, donc vraiment petit du Wapiti va le fumer en fait. Hop là. Rip chien squelette. Cause du décès, petit du Wapiti. Hop là, les dégâts. T'en es à la moitié. Donc là elle va tuer mes cartes. Rip toutes tes cartes. Cause du décès, Gamora. Super. Il me faut absolument un truc qui. Ouais. Oh. Elle me les donne pour que je puisse les sacrifier en fait. Plus ou moins. Si j'envoie le petit du Wapiti, est-ce qu'il va évoluer gentiment? Est-ce qu'il va devenir... Oh, si je le mets à droite, est-ce qu'il va se mettre face aux zombies et crever bêtement? Oh, j'ai trop peur de ça. Encore Ouroboros. Ouais, Ouroboros gratos, sauf que Ouroboros 0-1, vous réalisez ça ou pas? Ouroboros gratos 0-1. Non? Comment ça, létal? Oui, il y a le létal parce qu'Ouroboros t'as pas 5. Hein. Oui, non, j'ai compris ce que vous voulez dire. Vous parlez de celui qui est en 5-5. Non, j'ai compris. Calmez-vous. J'ai compris qu'il y avait le létal avec Ouroboros de base. Ma question est, à quoi servent les bestioles zombies? Est-ce que ça sert vraiment qu'à être sacrifié? Oui, en fait. Oh, quand j'ai tué Ouroboros zombie, ça a buffé Ouroboros normal? Ça, c'est fou, ça. Ça, c'est fou, ça.
Go continuer Dup Ouroboros. Non mais qu'est-ce qui va se passer quand je vais avoir un Ouroboros en 10-10 en fait, les amis? Le game n'aura plus d'intérêt. Tu cherches à remplacer les chi, mais faut que je te dise. À un moment, une occasion se présentera et tu changeras d'avis. Et je t'en supplie, épargne-moi, prends ça et va-t'en. Elle est passée de je t'en supplie, épargne-moi à prends ça et dégage extrêmement vite et sans aucune pression quand même. Hein. Frank Einstein. Vous voyez Frank Einstein? Typiquement carte de milieu de jeu, seulement 5 os, 2-2, parfaite pour le mid-game. Pourquoi je la drop maintenant que les morts vivants, c'est fini? C'est très très grave. Mannequin sorcier. Voilà, au bol. Ah bah tiens, nécromancien, 3 os, 1-2. Quand une de vos créatures meurt, ressuscite puis meurt à nouveau. Ah, un nécromancien, ça sert à farmer les autres. Non mais c'est ça qu'il me fallait en fait. Toutes les cartes utiles en mid-game, elles tombent maintenant. C'est pas grave. C'est pas grave, vous savez quoi? Batterie faible. Oh non! Oh! Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Batterie complètement chargée. On est revenu là. C'est bizarre que... Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Depuis qu'on a commencé à faire ce mode de jeu bizarre, on a des batteries faibles, etc. Comme si on regardait le jeu à travers la caméra. La caméra que le mec utilise pour se balader dans les bois, vous voyez? C'est bizarre, genre c'est pas des infos que t'es censé avoir sur un écran de télé ou sur un écran de console. C'est batterie faible, gna gna gna, 400 minutes. C'est comme si le mec regardait le jeu à travers la cam. C'est pas étrange? I think I've just gotta send it. To whom it may concern? Madame, monsieur. Hello there! Exclamation point. My name is Luke Carter and I'm a fan of your collectible card games. If you've ever taken a look at my YouTube videos, you will know how appreciative I am of the merch that you've sent me over the years. So it was a great surprise to learn that there is a digital version of Inscription. I think maybe one of my fans pranked me and buried a copy in the woods near my house. Upon further research, however, I've not been able to find any... Bon, j'augmente un petit peu le son là, on n'entend plus, on n'entend rien du tout. ...record of this game. Is this some kind of elaborate hoax? Any trace of this game? Is this some kind of elaborate hoax? The game doesn't seem like the work of a prankster. It at least appears professionally made. I am both puzzled and excited by this discovery. Any information you can provide would be much appreciated. Thank you, the Lucky Carter. Thank you, you can provide would be much appreciated. I think I've just got to send it. Monsieur... Attendez. Digital version of Inscription. I think maybe one of my fans pranked me and buried a copy in the woods near my house. Upon further research, however, I have not been able to find any record of this game. Is this some kind of... Ok, donc lui, il connaissait Inscription comme un jeu de cartes physique. Quelqu'un a enterré dans un bois le jeu auquel on suppose on a joué depuis le début. Je sais pas s'il a joué à la version première personne ou s'il a joué à la version NES. C'est ça le problème que j'ai. Enfin, bon, c'est un problème parmi plein d'autres. Mais il a trouvé un jeu qui s'appelle Inscription dans ses bois et c'est pas un jeu qui est censé exister. Ok. Hey card gamers, I'm the Lucky Carter and this... Well, it's a bit of a strange video. It's actually more of a question to my audience. As I've learned over the years, nobody knows card games better than you guys do. So I'm hoping someone can help me out here. Did anyone ever play an Inscription video game? Or... hear about it? I'm talking about that vintage one set card game I opened packs for last week. I don't know what I'm allowed to say. I don't want to get in any trouble here. I think I've got the only known copy of the digital version of Inscription. Il est assis comme les chi.
Tu veux dire à une table? I've been filming myself playing it and Ah, il s'est filmé en train de le jouer. Il s'est filmé en train de le jouer, donc en fait on regarde juste un record de sa game, donc c'est normal qu'il y ait... C'est normal qu'il y ait des indications de caméra, caméra faible batterie quand on joue. I don't want to get in any hot water by showing the footage, but can someone please prove me wrong? Please tell me someone has a copy of this game. I have been looking online for days and I cannot find a word about it. I reached out to the publishers hoping maybe they would get back to me. But as a fallback, I got you beautiful viewers. Can hopefully dig up something. That's it. That's the video today, guys. Thank you so much, as always. And, oh yeah, what the fuck is the car? Yes, du binaire. Yes, du binaire. On voulait du binaire. C'est exactement ce qu'on voulait. Plus de binaire. Ok, c'est reparti. Du binaire. Alors. Hop là, le petit binary translator qui part. Le petit binary. Alors attendez. Ah, ça a relancé la cam. Super. Je peux pas aller directement à la fin? Quel enfer. What the fuck is the car? Ok, que personne ne bouge. J'ai besoin que le jeu aille. Hop là. Oh non, mais c'est insupportable, arrête. Je peux pas alt-tab, en fait je peux pas alt-tab le game. Je ne peux pas alt-tab le game pour aller taper sur le traducteur de binaire sans que la vidéo se remette à zéro en fait. Et comme le binaire est à la fin, je suis baisé. J'ai envie de mourir. En fait là si je alt-tab, c'est bon. Ça a marché. Je ne peux rien faire en fait. C'est un jeu bizarre où je peux pas, quand je suis dessus, quand il est ouvert, je peux pas bouger ma souris sur l'autre écran en fait. Ma souris est stuck sur l'écran principal, donc je peux pas aller taper sur l'autre écran. Vas-y, j'ai compris. Je prends un screen. Je lâche l'affaire, je prends un screen du binaire, je vais ouvrir un screen, y a pas de galère. Hop. Je vais ouvrir un screen. Excellent. On va agrandir le screen. Alors. 0-1. Hop là. 0 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
among the games that could be lawfully played at the annual city fete. This makes the game the oldest identifiable European card game in the history of playing cards, with a continuous tradition of playing down to the present day. Ok, donc apparemment c'est le plus vieux jeu, recordé en Europe. On a les traces de gens qui jouaient en 1426 à la fête de Nördlingen en Bavière. Excellent! Excellent ça le chat! Vous êtes pas content de le savoir? Vous voulez que je vous apprenne à jouer le Carnuffel? J'ai les règles ici. Hein. Apparemment, ils ont perdu les premières règles du Carnuffel, mais ils pensent qu'ils savent comment le jouer à peu près. On joue avec un deck de 48 cartes. Il y avait 6 cartes. Enfin, les 6 cartes choisies qui s'appelaient le pape. Ça n'a aucun sens. Je comprends rien aux règles. Je comprends rien aux règles, mais c'est pas très grave. Suite. Mr. Carter, we have received your inquiry regarding a digital version of our intellectual property inscription. I can assure you that no such software exists. Les bandes noires sont sur ses yeux et sa bouche. L'or plus dense colonite, pas très dur ça. Donc là il y a l'éditeur, qui dit qu'ils ont jamais fait le jeu en fait. We would like to avoid taking legal action in your case, so please do not delay in returning the proprietary software. Sincerely, GameFuna, Customer Happiness Department. Attends, ils ont... What the fuck? Mr. Carter, we have received your... Merde. Ok, donc ils disent, GameFuna, les gens qui possèdent Inscription, disent on n'a jamais fait un jeu vidéo sur notre jeu de cartes, mais MDR, comme il y a le nom du jeu sur le jeu, bah comme il y a le nom de notre jeu de cartes sur ton jeu vidéo que tu viens de trouver, tu dois nous le renvoyer parce que apparemment ça nous appartient. C'est très bizarre, ils font genre, ils ont jamais entendu parler du truc, mais ils insistent vraiment beaucoup pour le récupérer. Là. Après ça fait peut-être juste partie de leur politique contre la contrefaçon. Mais... I think this woman's actually from... GameFuna. She came to my door yesterday and I didn't answer. This time I'm gonna record it. Ah, et ah oui, non, ils veulent vraiment récupérer le jeu vraiment très très fort. Si dans les 24 heures ils sont en train de frapper chez lui, genre. Est-ce que c'était dans les 24 heures? C'était dans les 48 heures en fait. Merci pour le sub, Paprika Calavera. Il se passe des choses mystérieuses quand même. Hi there. Oh putain, encore du binaire, j'ai envie de mourir. Frère. Je suis... Bah c'est l'heure de prendre un screen les amis, hein. Ça se trouve c'est un personnage qu'on connaît. Qui c'est? C'est peut-être un personnage qu'on connaît en fait. Ça vous réalisez pas. Hop là, c'est le retour du... 0. 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 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
disc for a game called Inscription. I was told you came by a copy of it somehow. Sound familiar? No. No? No, I don't know anything about that. Inscription, you said? Yes. No, I don't think so. Really? Because, apparently you emailed us about it. You are Luke Carter, right? Oh. You know the luckycarter@gmail.com? Yeah, you know what? That's, I am Luke Carter, but that's not my email address. Really? Because, I just noticed because I've seen your videos. Oh! I'm a big fan. Oh. Thanks for watching. Listen, how did you know where I live, exactly? My boss gave me your address. And how did you get past the side gate? It's locked. Okay, Luke. I'm going to give you my business card. And if you remember anything at all, feel free to give me a call. Okay? Will do. Take care. À bientôt avec un 8. Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'on fait dans stream, j'ai pas suivi. Mec, on aurait bien du mal à t'expliquer. On aurait bien du mal à t'expliquer, honnêtement. I think this woman's found in her. Hi! Hi there! Hey. Ok. Hey there, card gamers! I'm the Lucky Carter, and this is another pack opening video. Today I'm... Le mec, il est en train de... Il a trouvé un truc qu'un agent secret du gouvernement essaie de récupérer. C'est en train d'essayer d'entrer dans sa baraque par toutes les portes, mais c'est un professionnel parce qu'il continue de faire des pack opening. Opening Secrets of Legendaria. Hoping for that sweet, sweet foil Valamir. Il est traumatisé. Il ose plus ouvrir les boosters, non. Non, mon gars. Pense à l'algorithme. Qu'est-ce que tu vas faire si tu restes sans uploader, mon gars? Hein? Yes. Ok. ISO 200. ISO 200, les amis. 200, disons. Ok. Ok, donc voilà ce que je propose. On va aller dans le monde des robots. On va faire un deck nécromancien parce que ça m'embête d'avoir jamais réussi à le faire marcher et maintenant j'ai plus de cartes. Et on va goumer tout le monde, ok? Voilà la strat. Hop là. Les bestioles, elles dégagent. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Ça, c'est important. La main, on s'en fout. Ça, j'en mets un seul dans l'hypothèse improbable où j'arrive à m'en servir. Ça, c'est important. Drogueur, bon, je les prends, mais vraiment, voilà. Le mage, il va se faire foutre. Ah, mais il y a deux obols. Attendez. Obol fragmenté. Subit des dégâts, la créature attaquant subit un point de... Dégâts, mais c'est les deux s'appellent pareil. C'est marrant ça. Oh, qu'est-ce qui se passe si j'arrive à les mettre l'une à côté de l'autre? Qu'est-ce qui se passe si je mets obol fragmenté avec obol fragmenté en fait? Ben ouais, réel. Frank et Stein, je les prends. J'ai des cartes de milieu de tableau maintenant. Donc j'ai bon espoir. Ça ouais. La main c'est nul, ça c'est bon. 27, j'ai 20. Comment ça, j'ai 27 cartes, faut que j'enlève des trucs. Ça dégage. Squelette de base. Non, j'enlève un drogue. J'ai trop de trucs, frère. J'enlève un bateau fantôme. Bon. Les écureuils? Bah non, les écureuils, c'est des os gratuits. Je vais pas virer les écureuils, c'est des os, c'est des free os. Oh, c'est l'hermine. Tu veux voir mon nom, tu veux voir mon jeu, mec? Que des cartes faibles. Pas la moindre synergie. Quoi? Cette carte n'a aucune chance contre moi, non!
C'est de terminer ma liste de contrôle de cyborg, mais les robots qu'on m'envoie sont médiocres. Dis à la main d'œuvre de m'envoyer quelque chose de bien. Quand t'auras fini, reviens avec un deck potable. Bah tu... Oh frère, comment tu parles mal. Tu respectes pas mon deck nécro assemblé avec, avec le cœur. Hop là, un petit booster robot là. Les chats. La main, c'est fort. Le flop qui arrive. Non mais tranquille, attendez. Ok, il y a un marchand ici. Les chats servent à rien. Non mais la grenouille taureau, ouais non, la grenouille taureau, vraiment. J'avais pas fait gaffe, ils m'ont rendu la grenouille taureau. Et bah, vraiment, on ne la jouera pas. Ah. Hein. Hein. Ah. Ouais, mais là, il m'en manque un en fait. Ok, bien joué à tous. C'est exactement ce que je voulais faire. 2 sur 6, 1, 1. C'est juste ça, genre? C'est juste ça? Très bien. Bravo à tous. Hop là, le petit booster. Je repose la question au cas où, mais ça t'intéresse de savoir si t'as loupé une zone secrète ou pas? Je sais pas trop, mec. Je sais pas trop quoi te dire. Peut-être. Oh, bête du pharaon. Mais ça, c'est la chèvre, ça, je reconnais. Sacrifier bête du pharaon à corne. 3 gouttes de sang au lieu de 1. Bête du pharaon reste sur le plateau après son sacrifice. Oh ! C'est une chèvre immortelle. Attendez, pause. C'est une chèvre immortelle ? C'est une chèvre... C'est une chèvre immortelle, frère. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis très occupé. Quoi ? Blablabla. Blablabla. Bon, frère, de toute façon, on va se battre. Ok, alors, il a des robots. Les autres créatures au sein du circuit. Complété par un cyborg. Ok. Bloque les créatures adverses. Bon, ça, c'est la grenouille, mais en... C'est la grenouille, mais en robot. Peut compléter un circuit, mais n'accorde aucun effet. Cyborg de bonus. Ok, donc je suppose que lui et lui, ils vont compléter un circuit. Et ils vont donner un de puissance à Robot Sauterelle, en fait, c'est ça qui va se passer. C'est probablement ça qui va se passer. Je propose d'invoquer le 4. Genre à un endroit où il ne sera pas attaqué. Et voilà quoi. Au final. Voilà, et voilà. Et comme ils ont un circuit... Ok, comme ils ont un circuit, leurs robots, ils sont renforcés. Quel enfer. Ouais. Envoyons la Banshee... envoyons la Banshee, si on avait des os, bien sûr, mais... Si on avait des os, on enverrait la Banshee, je peux vous le dire, hein. Il ferait attention. Hein. Yo, ça avance. Alors, la poutre, mec, j'essaye d'obtenir au moins une win avec un deck nécro, et vraiment, c'est complexe. Je n'ai jamais de quoi invoquer la moindre bestiole. C'est peut-être, de fait, c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir les chats dans mon deck. C'est pas une bonne idée d'avoir les chats dans mon deck quand je joue... Quand je joue, ouais, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Putain, j'ai pas envie d'envoyer encore Tados se faire sacrifier pour rien. Le chat sert à rien dans un deck os, tu pouvais pas dire ça il y a 5 minutes! Je suis abattu. Je me fais casser la gueule. On l'a dit, mais bon, waouh. Bon, là, en vrai, là, je peux... Attendez, là, je peux rien faire. Enfin, je peux envoyer des trucs, mais vraiment... Fossoyeur des Terranos. Cimer, frérot. Fossoyeur des Terranos. Je balance toutes mes cartes. Franchement, on ne sait jamais. Fossoyeur des Terranos. Je balance toutes mes cartes. J'en ai rien à foutre. Sauveur de terre, un os. Bam. Encore un os. Bam. Encore des os. Au bol fragmenté. Le squelette va attaquer puis mourir. Et je vais avoir Frankenstein. Je suis obligé de jouer l'obol, je suis désolé. Bim. Hein. J'ai troll. J'ai perdu 3 pour mettre l'obol.
je suis vraiment débile. C'est super grave. Mais du coup, j'ai plein d'os. Et j'ai Frankenstein. Et si je fais... hop. Dégage, le 4. Tu as ruiné tous mes plans. Hop. Attaque. Roi des momies. Exactement ce qu'on voulait. Plus ou moins. Bim, double attaque. Puis voilà, en fait. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien du tout. Rien du tout, c'est la win, en fait. Dégâts en excès, même. 3 cartes premium ont été ajoutées. Qui? En fait, voilà. En fait... Je réfléchis trop, en fait. Il suffisait d'écouter le talent pur et juste de poser les cartes au feeling. Personne pouvait m'arrêter. Les chats, ça dégage. Les probabilités pour que je droppe le chat alors que c'est genre 2 cartes sur 28, parlons-en aussi. Est-ce que je dégage les écureuils aussi? Je dégage 2 écureuils? Moins 1? Comment ça, moins 1? Bon alors... Ce petit jeu, il est bien sympa, mais j'ai pas exactement compris comment il marche. Donc là, c'est quoi? Attendez. Qu'est-ce que... là, je suis à 3, je suppose. Il se passe rien. Ah! Bah non, en fait. Moins 1. Moins 1 devrait faire qu'il reste à 1. En fait... Ah, plus 1, plus 1. Attendez, quoi? Lui, il met plus 1. Lui, il met plus 1 de ce côté, ça, je veux bien l'accepter. Mais pourquoi le moins 1, il marche pas, en fait? Ah, je suis obligé de tout poser. Bon, écoutez, je crois qu'il y a même pas besoin... Je pense qu'il y a même pas fondamentalement besoin de comprendre le game pour y arriver. Hop. Hop. Ah, dommage. Bah, dommage. Maintenant, évidemment... C'est quoi, ça? Ah. Ça s'applique à toute la ligne et c'est chiant à brute force. Oui, c'est chiant à brute force parce qu'en fait, je réalise que je peux les mettre sur vraiment n'importe laquelle des... Est-ce que je suis censé comprendre que un plus 1 sur une pile, ça veut dire exactement la même chose? Que genre un 1? Je ne comprends rien, frère. Je comprends fondamentalement rien. Si j'enlève un 1, je tombe à 3. Si j'enlève un 2, je tombe à 2. Ça va. À quoi sert le plus 0, mec? Tout le monde aimerait savoir à quoi sert le plus 0. Rien ne marche si j'ai pas une pile à gauche et une pile... De toute façon, rien ne marche si j'ai pas... Ah, si. Si je mets le moins 1 entre 2, 1, ça veut dire moins 2, donc je passe de 4 à 2, ça? Et là, je vais passer à 3? Non, et là, je passe pas à 3. Pourquoi je passe pas à 3? Ça aurait pas été une bonne idée de m'expliquer comment on joue à cette merde? Attendez. J'aimerais quand même au minimum comprendre ce qui se passe. Là, on part du principe que ça compte, en fait. Juste, j'arrive, je fais genre 1, 2, 3, 4. Bon, ok. J'arrive, je fais 1, 2, 3, 4. Si je mets une pile plus 1 sur un 1, elle remplace pas le 1. Au contraire, je perds 1. Alors attendez, et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pardon. Plus 1, plus 0.
Lui, il met plus 1 à tout le monde, en fait. Et lui, il met moins 1 à tout le monde. Donc, en fait, il s'équilibre. Donc là, il se passe rien, genre. Là, il y a plus 1 pour tout le monde. Ok, je commence à comprendre des trucs. Si je le mets juste là... C'est dommage. Pourquoi là, il s'augmente pas? Si, non. Pardon, j'ai compris un truc. Enfin... Non, j'ai pas compris, j'ai pas encore tout compris. Je comprends des trucs. Je comprends des trucs. Donc en fait, quand des cases sont bloquées entre deux piles, elles subissent les effets des piles. Et la somme de ce qu'il y a sur les piles indique ce qui arrive aux cases. Donc là, par exemple, j'ai un plus 1 et un 0. Il y a juste plus 1 qui est ajouté à toutes les cases qui sont entre les deux piles. Bon, très bien, très bien, très bien, très bien. À quoi ça sert de foutre un truc? Ça sert à bloquer. Et par exemple, si je fais ça, j'ai toujours le courant entre ces deux-là. Ok. Donc je veux avoir 5 entre deux piles. Genre par exemple là, j'ai 1, 2, 3. Voilà, là j'ai 5. Ok, là je comprends pas par contre. Là en fait il va m'enlever 3. Ouais ok, bon d'accord. Donc idéalement je voudrais avoir ça en fait. Voilà. Et toi là. Et toi là. Voilà. C'est bon. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris ça. Putain, ça m'a pris du temps. Waouh, c'est bon, j'ai capté. J'ai capté. Bonjour jeune robot. Je suis la fondeuse et on m'envoie des matériaux bruts et je... Bah, tu fonds des trucs. Ne dis plus un mot, nous devons faire une partie de cartes. Je suis tout à fait d'accord. Faisons une partie de cartes. Ouais, faisons une partie de cartes, en fait. Petite partie de cartes, là. Je propose... Alors ça, c'est un cyborg bonus, il va pas attaquer, donc je propose de... foutre un écureuil. Buter l'écureuil. Foutre le fossoyeur pour qu'il soit tranquille, là. Envoyer un squelette pour qu'il crève tôt ou tard et qu'il me file un os. Et en attendant, il tape de 1, voilà. Excellent, bien joué à tous. C'est quoi ça? Cyborg industriel, fabrique des robots sauterelles sur l'emplacement chargé. Hein? Hein? Oh! Et bah, j'ai plus d'os, en fait. Donc là, je prends 2 de dégâts. MDR. Ensuite, j'envoie un drogre. Vous pensez que j'envoie un drogre pour tanker? Ou je me rush d'avoir mon sarcophage, en fait. J'envoie un drogre. Et je tank. Et je tanks. Ok, tac. Bim bam, squelette. Je peux mettre mon sarcophage parce que, en fait, il va me taper que de 1. Bim, prends ça dans les dents. T'es pas beau. Hop. Évolution du sarcophage en roi des momies. Ça fait plaisir. Un petit sacrifice de l'écureuil, là, en balle. J'aime bien. Tac, dégage. Et du coup, tu vas m'en construire un autre, c'est ça qui va se passer? Non, pas vraiment. Si! C'est ça qui va se passer! Wouah! Bon, je le tue, mais c'est un problème. Faut que j'envoie... Faut que je détruise ça. Faut que je détruise ça presto rapido, en fait. J'ai encore... Oh là, j'ai quasiment plus de vie. Reste ton chill. Faut que je casse le circuit. En fait, je pensais que je pouvais juste face tank les robots sauterelles, mais faut absolument péter le circuit. J'aurais pu péter le cyborg bonus aussi, mais c'est pas grave. Sauf que là, j'ai rien. En fait, est-ce que je peux tanker un tour? La réponse est oui. Je sais pas ce qui se passera ensuite, mais... Fossoyeur des Terranos. Donc là, c'est un peu critique ce qui se passe. J'ai rien à mettre en face de lui. Je suis foutu, j'ai lose, là. J'ai presque lose. En fait, c'est chiant. Bon. Je suis obligé de te mettre là, toi. Donc il va me reconstruire des foutus robots. J'ai rien pour péter le circuit. C'est quoi ça? Cyborg industriel. Bah au moins toi tu construiras plus des... Oh, c'est chiant de fou. Ça embête. J'ai jamais d'os, frère. Et même en sacrifiant le fossoyeur, ça m'emmène nulle part. Il me faut une bestiole raisonnable, genre. Tout ce qu'il me faut, c'est un truc... Putain. Oh.
Vraiment, tout ce qu'il me faut, c'est un truc qui coûte pas 8 os et qui peut taper, genre. C'est tout, c'est tout. Il y a si peu de puissance dans ce foutu deck. Donnez-moi une bestiole qui tape. Je vais sacrifier cette écurie. Juste par vengeance. Juste par vengeance. Ça, ça tape de 1. Disons que dans 2 tours, voilà quoi. Il aura tué le... Ouais. Let's go. Let's go. J'ai envie d'en finir. Ça, ça donne 4 os. Attendez, je peux peut-être faire le truc avec les 2 obols. J'ai les 2 obols en main, ce serait dommage de pas en profiter. Et si je sacrifie des trucs, on est pas mal. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je peux sacrifier les trucs qui sont dans ma main? Pas du tout. Ce que je peux faire, c'est genre... Paf! Et genre... Ah merde! C'était le pire choix possible. C'est le pire choix possible, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je dégage tout le monde, il va plus poser de cartes. Il va plus poser de cartes. Dégage. Je teste les obols. Tac! Tu as reçu une obole antique. Merci. Ouais, les obols font un truc si je mets les deux. C'est juste pas très clair quoi, en fait. Elle me file un cavalier sans tête. Non, c'est pas ça. Elles font un truc. Probablement qu'elles font un truc. 4 premium obtenu. Bah, bien joué à tous, hein. Vraiment, quel étrange... Oh merde, il en reste 2. Oh là, elle est tombée dans... Quoi ? Elle s'est mise dans la... Oh non, c'est terrible. Elle s'est envoyée dans le truc de fondu, là. Waouh. Ok. Réfléchissons. Oh putain, vraiment, quel plaisir. Personne n'a envie de faire ça, frère. C'est insupportable. Est-ce que j'avais vraiment envie de me creuser? Non, le lore. Comment ça, non, le lore? L'autre robot l'avait fait aussi. Ah, c'est pareil pour le robot d'avant. Ok, bon, alors. Moins 5. Moins 5, faut que j'arrive à monter de 8. Faut que j'arrive à monter de 8. C'est ça qui se passe. Ça va être galère. Ça va être très galère. Qu'est-ce qui se passe si j'en mets un au milieu? Ça les flingue tous. Pour quelle raison je pourrais avoir besoin d'en avoir? Ouais, faut tous les placer si je veux avoir le droit de... ok. Et ça, c'est extrêmement relou à brute force, je suppose. Attendez, si je fais ça, je perds un plus 2. Je descends d'énormément, attendez. Qu'est-ce qui se passe si je mets le moins 2? Ouais, ça devient un 0. Tout est normal. Arrête de skip les dialogues, ils sont importants. Ouais, mais je suis désolé, je suis un peu... Je suis un peu claqué aujourd'hui, donc la patience pour le lore, et c'est compliqué, genre. Attendez. Je vais mettre un pull, il commence à cailler un petit peu. Ça, c'est le problème de streamer... Ça, c'est le problème de streamer après que t'aies déjà passé 6 heures à faire du montage. Tu veux juste claquer des gens, en fait. J'aurais dû lancer un jeu de versus fighting. J'ai évidemment pas le cerveau pour m'amuser à faire des casse-têtes maintenant quand je lance à 14h, à 16h après avoir bossé toute la journée. Les mecs qui streament le matin, les gens qui sont que streamers et qui genre lancent leur stream vers 9h du mat en étant full reposé, ils ont une vie hors du commun. Leur existence, elle est juste parfaite. Alors, mais c'est pas grave, on va... Alors, il faut qu'on récupère 8 points. Il faut qu'on récupère 8 points. En fait, limite, la valeur des... Est-ce que la valeur des pièces a vraiment un intérêt? On s'en fout, en fait. Si, ça a un intérêt pour... Parce qu'on perd... On perd celle où on met les... Je peux pas faire de même review? Sinon, tu vas faire une sieste et tu relances un stream ce soir à 20h. Tu penses, mon gars? Ah, tu penses... Alors...
Tu peux aussi perdre le négatif. Ouais, c'est ça. Du coup, tu peux perdre le négatif. Du coup, tu peux gagner beaucoup de... Voilà, tu sais, tu peux remonter de beaucoup simplement en mettant une pile sur un moins 2, tu vois. Ça met pas mal. Là, si je mets moins... Là, si je fais ça et ça, non seulement je supprime 4, mais en plus, je gagne 2. Parce que les deux s'activent ensemble, je suppose. Là, genre, je vais passer à 4. Oh là là, pas loin. Hein. Là, c'est bon, là. Oh non. Non, je suis abattu. J'y étais presque. Ça doit être un truc... De toute façon, en fait, de toute façon, c'est clair et net que j'ai besoin que... Là, je vais passer à 2. Oh, fuck. Oh non. Je peux pas croire... En fait, je peux pas croire qu'il y ait un des deux coupe-circuits qui est censé aller entre les piles. La map est juste pas assez grande pour ça. Donc il n'y a pas tant de possibilités que ça, en fait. Ah ! Je suis abattu. Là. Oh, mais... Mais je suis pas loin. Mais bien sûr que je suis pas loin. Bien sûr que je suis pas loin. Mais... Bien sûr que je suis pas loin. Mais attendez... En fait, je peux pas croire que les piles ne servent qu'à supprimer des moins, genre, vous voyez ce que je veux dire? Quoique, ça se trouve, hein. Ça se trouve. Ok, bon. C'est pas la solution à laquelle je m'attendais, mais quand je l'ai vu, je l'ai vu. Donc, ça passe. Alors, 0 sur 5. 0 sur 5. Yes, un plaisir. Alors là, ça va être beaucoup plus galère. Celui-là ça va être galère parce que c'était plutôt avantageux d'avoir deux coupes-circuits en fait. Tu savais que tu les mettais en gros sur les extrémités. Parce qu'il fallait pas qu'ils se mettent au milieu pour gêner. Il faut que je... Ouais. Voilà. 4. Rien du tout, et là je perds 2. Si je fais ça. Pourquoi si je fais. Pourquoi quand je fais ça, le plus 2 il se retrouve pas buffé? Pourquoi ça change rien? Là le plus 1, plus 0, là il devrait y avoir plus 1 sur lui, non? Vous voyez ce que je veux dire? Lui là. Plus 1, moins 1, ça fait 0. Oui, non, mais là regardez. Bon, attendez, là, on est à combien? 3. Là, on est en plus 1, moins 1, donc il se passe rien. Donc, moins 1, 3, 2. Ok, donc là, il le compte. En fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on compte moins 1, 3, 2, et on est à 4. Ça me va parfaitement. Ma question, c'est quand je fais ça, normalement, le plus 1 commence à s'appliquer sur ce 2, et je devrais passer à 5, en fait. Ah, si je relis le 2, il prend aussi le moins 1. Mais alors à quoi ça sert d'avoir des entre-cases? Ah, moi je pensais qu'entre le plus 1 et le plus 0, il y avait juste plus 1 et plus 0 qui s'appliquaient et on pouvait compartimenter comme ça. Ah non, il subit aussi le truc qui est à l'autre bout du circuit. Mais pourquoi? Enfin, ok, bon, très bien. Bon, bah il prend aussi ce qui est à l'autre bout du circuit. Ok, très bien. Alors, on est maintenant qu'on pense qu'on a vraiment toutes les règles, on y retourne. Tac, et si je mets un moins 1 à tout le monde... Oh mais là on tombe de trop genre. On tombe de trop, j'ai besoin que le coupe-circuit soit sur genre le moins 3 en fait. Voilà, et ouais.
Pas mal. Pas mal, et maintenant je tombe. Et normalement mon final adversaire est là, et c'est toi. Comment ça va mon gars? Hé, l'ami. Je sais pourquoi t'es là. Tu veux que je plonge? Mais je peux pas, l'ami. J'ai des ordres, tu vois, j'essaie de remonter quelque chose de spécial. Qu'est-ce que t'essaies de remonter? On peut faire un duel. Peut-être même te donner un truc si tu gagnes. Mais je peux pas plonger. Oh mec, plonge pas. Du coup, t'as gardé ton skin depuis le miroir? Ouais, je suis une espèce de truc chauve. Nécromancien! Oh là là. Quand une de vos créatures meurt, elle ressuscite puis meurt à nouveau immédiatement. Ouais, je comprends bien. Je peux faire triple sacrifice d'écureuil. Et vraiment instant jouer nécromancien et avoir une incroyable carte 1-2 sur le plateau. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ça mon destin? Ouais, c'est ça mon destin. Je sens que c'est ça mon destin. Je sens que vraiment j'ai eu cette main. J'ai eu cette main pour cette raison. Allez, prends tes 1 de dégâts. C'est quoi l'ami? Faut absolument que je retourne au boulot. Tiens, prends ça. Oh, il avait pas envie. Il avait... Mais wesh. Putain, pour une fois que j'avais une main de départ qui ressemblait à quelque chose, j'aurais dû me méfier quand il jouait rien, genre. La putain de grenouille. La putain de grenouille taureau, vraiment, je la déteste. Allez, va-t'en, faut que je me concentre. Oh! C'est. Dieu va me donner le jackpot contre celle-là. T'as trouvé ce que tu cherchais, mec? Oh, ça là. Ça là. Comment je l'attrape? Ok, ça c'est un booster. C'est un autre booster? Y'a pas un truc que je peux faire? Je peux pas le suivre, genre? En fait, il va remonter, je peux le suivre jusqu'au bout, non? En fait, je suppose que le truc glitché va revenir ici à un moment. Est-ce que je le suis jusqu'au bout, genre? Il lit même plus les boosters. Non, mais en vrai, les boosters, c'est juste que c'est que des cartes que je connais maintenant, je crois. De toute façon, j'ai vu une grenouille taureau, je savais que c'était pas ce qui nous intéressait. Je comprends pas où il est arrivé, le truc... Il est où, mon truc glitché? Si, c'est bon. Il arrive en haut, maintenant. Je sais pas s'il y a un moment où je suis censé l'intercepter. Ah, le voilà. Qu'est-ce qui va lui arriver une fois qu'il va être fondu? Ici, je peux le ramasser quand même. Va au sous-sol de la main flippante, STP. Ah ouais, t'as l'air vraiment... Ça a l'air d'être sacrément important pour toi, mon gars. Vas-y, tu sais quoi? Tu l'as tellement écrit en full majuscule que je me dis que ce serait bien qu'on y aille. Hein? Ah merde! Alors, mec, je suis désolé, je voulais juste parler au robot avant de partir, mais il se trouve que... ouais. Oh, des tapis roulants. Oh non, quel enfer. Un minima, il permet de mettre à l'épreuve la position de tes cartes. Quel enfer, vraiment. Ça veut dire qu'à un moment, c'est mes cartes, en fait. Obol fragmenté. Ah bah, l'obol, j'ai plus de... Oh, la musique, ça va pas. Là, il me met 2. Tant pis, tu pourras plus. Quoi? Comment ça, tu pourras plus? Je peux déjà plus aller au sous-sol, là? Bon, vas-y, je passe parce que j'ai rien à jouer. Voilà. Voilà ce qui se passe. Tu as compris comment ça marche? Ouais, à peu près. Bien sûr. Sauf que là, j'ai rien à jouer, en fait. Tu comprends pas, mec, je joue un deck nécro, ça veut dire que pendant les 3 premiers tours, j'existe pas, en fait. Et là, il va attaquer et je vais lose. Non, je vais tomber à 4. Tranquille.
Et il a deux vies aussi. Attendez. Abandonné. C'était mal engagé de toute façon, et comme ça on va pouvoir aller voir le truc au sous-sol. Tu as ouvert les caisses autour du temple? Quel temple? Les caisses autour du temple? Les caisses autour du temple? C'est ça le temple? C'est quoi ça? J'avais pas vu! Une petite maison dans le champignon, incroyable! Comment ça va, mec? Oh, c'est les gens qui fusionnent les cartes! C'est les gens qui fusionnent les cartes, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr! C'est fou! Ils veulent un double fossoyeur? Est-ce que j'ai ça? Ben non, mec! J'en ai malheureusement une seule! Je suis désolé! C'est très fort en vrai. Ouais, non, c'est très fort. Hein. Ça augmente la puissance alors que ça double pas le coût. C'est absolument incroyable. La question c'est, est-ce qu'il y a le marchand du coin qui accepterait de m'en vendre une? Et on m'avait dit d'aller ici, ça? On m'avait dit d'aller... Ah oui, c'est l'offrande. J'avais complètement oublié l'offrande. Mais qu'est-ce que vous voulez que je lui donne? Une obole antique. Ah! Évidemment! C'est une belle offrande. J'y aurais jamais pensé, hein, vraiment. Je n'y aurais jamais pensé, l'obole antique. Offrande ténébreuse. C'est cadeau. Donc là, le gars se filme en train de jouer. Pourquoi il se filmerait en train de jouer? Et pourquoi avec une caméra? Pourquoi pas avec OBS comme tout le monde, en fait? Oh là, on a trouvé le roi des cartes. Ça fait très peur, ici. Au fond d'une caverne immense, plus profonde que dans les abysses. Approche du roi des os. Tu l'entends? L'archive ancienne donnée? Elle gigote et corrompt tout sur son passage. Elle invente des images impénétrables. Ne m'approche plus jusqu'à ce que tu promettes de me vénérer. De vénérer l'archive ancienne donnée? C'est ça qui se passe? Je suis revenu. Il a accepté ma foi. Tu comprends peut-être pas ce qu'elle signifie, mais moi, je ne la comprends pas totalement. Mais tu apprécies son pouvoir. L'archive ancienne donnée ne prend rien. Et elle ne donne rien. Mais moi, si. Accepte mon offrande. Waouh. Une clé. Je veux la grosse clé qui brille. Et je veux... le corps du roi des os. En échange de 1 d'énergie, gagner 3 os. Ça aurait été fou à avoir. Son propriétaire obtient des os au début du combat. Ah oui. C'est réel, c'est à lui qu'on faisait des sacrifices sur le board, et après on avait la bénédiction où on avait plus un os au début de chaque tour. Si, 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 je me souviens. En vrai, la bénédiction, c'est trop fort. La bénédiction, c'est incroyable. Hein. La clé, je sais pas quoi en faire. La bénédiction, c'est fou. Et la carte... elle est pas horrible, la carte. Hein. Corps du roi des eaux, là. Un d'énergie, 3 os. Hein. Pas horrible. Hein. Ouais, très bien. Est-ce qu'on retourne se friter avec Bidule? Est-ce que c'est ça le plan? Ah oui, non. On voulait aller voir si le marchand avait pas moyen de nous vendre un fossoyeur. Pour avoir double fossoyeur. Salut. On échange? Oh, let's go. Pour deux, ça me fait plaisir. Hop là. Franchement, je dis pas non, hein. N'utilise pas d'énergie, go la prendre. Bah je... Oui, on est d'accord. Hein. Ça va, mec? Hop là, j'ai les cartes, mon gars. J'ai les cartes, mon gars. Tiens, prends-les. Fais ta magie avec la scie. Merci. Voilà ta récompense. Hop là. Bah, il tank 2-3 maintenant. Sport au fossoyeur. À la fin de son tour, génère un os. À la fin du tour de son propriétaire, Sport au Fossoyeur génère un os. À la fin du tour de son propriétaire, Sport au Fossoyeur génère un os. Est-ce que le fait que ce soit marqué deux fois signifie qu'il me donne deux os? Ça, c'est fou. Hop là. Sport au Fossoyeur. On l'ajoute au deck. On l'ajoute au deck et on va se battre avec le robot qui est infernal. Bon alors,
Ok, du coup, j'ai plus un os. J'ai plus un os et ça, c'est fou. Et est-ce que ça vaudrait pas le coup de laisser... Ouais, alors 3 gouttes de sang, malheureusement. Ouais, du coup, là, j'ai rien qui s'invoque avec des gouttes de sang, donc dommage. J'ai Ouroboros dans mon deck ? Y'a quoi à gauche du robot ? On verra tout à l'heure, mec. Ah, mais j'ai encore Obol fragmenté, ça me sert plus à rien, j'aurais dû l'enlever. Il est chiant, ce boss. Attendez. Attendez, je veux vraiment être sûr que mon deck, il est bien. Attendez, je veux vraiment être sûr que mon deck, il est bien. Je vais tâcher les Obol, en fait, elles me servent plus à rien. Ça dégage. Le drogueur, je l'étège ? Non, j'en ai un. Ah, bête du pharaon, ouais. Mais alors, le truc, c'est que si j'ai bête du pharaon... J'avais enlevé Ouroboros. Parce que vous voyez le combo qui est faisable. Si j'ai bête du pharaon et Ouroboros, ou... il y a une dinguerie qui est commettable, en fait. Bon, pas contre ce boss de mort qui swap les cartes d'emplacement, mais bête du pharaon ou Ouroboros, le game il est plié, hein. Pieuse de tombe. Bon. Le problème, c'est que vraiment, si je ramène un Ouroboros là, et qu'il passe deck d'en face, je suis anéanti, genre. Véritablement anéanti. T'as bientôt fini le jeu, non? J'en ai aucune idée, mec. J'en ai aucune idée. Par contre, je sais que je commence avec 3 os. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça incroyable. Pourquoi je commence avec 3 os et pas 1? Ouais. Je propose de jouer des trucs et puis on verra bien ce qui se passe. Hop, lui, tu vas tuer le robot viande. J'aurais pas dû tuer le robot viande, je suis une merde, évidemment que non. C'est pas grave, il va pas mourir. Le squelette va crever, voilà. Prends un point de dégâts dans tes grands morts. Il est infernal, ce boss, hein. Je passe à toi. Ouais, passe. Passe, mon gars, hésite pas. Quand machin meurt, la créature en face et les alliés adjacents... Et les... Oh, si j'arrive à le faire péter, je pète ses mobs. Ça, c'est fou. Mais pas tout de suite. Au tour d'après. Sauf que j'ai rien. Le fémur des rois donne 3 os. Ok. Il faut absolument que la prochaine carte que je pioche soit un truc capable de... Oh fuck. Il faut crucialement que la prochaine créature que je pioche soit capable de me filer assez d'os pour avoir le dog et pour aller buter Roboboom. Fossoyeur donne un os, voilà, parfait. Tout le monde me tape, c'est la vie. Et merde. Ok, bon, il va falloir têche le Fossoyeur, hein, vraiment. Je suis désolé, mon gars, mais ça dégage. Hein. Mon meilleur frérot... Tu sautes, je t'aimais beaucoup, mais vraiment, je flingue Roboboom. Puis voilà, c'est tout ce qui se passe. Hein, c'est tout? Ah, les créatures adjacentes, je pensais que c'était toute la ligne. Ok, ça n'a pas marché. Ça n'a clairement pas marché comme imaginé. Ok, il y a deux trucs. Déjà, je pensais pas que je crevais, que je perdais mon dogle dessus. Et ensuite, je pensais que ça tuait toute sa ligne et pas juste la bestiole à côté de lui. Il va être casse-couille, ce boss. Hein. Non mais là j'ai troll, j'ai mal lu les effets des cartes, je suis désolé, je m'excuse auprès de toute la communauté. Tiens, Ouroboros, je m'excuse auprès de vraiment toute la communauté. Ce que je peux faire c'est genre, bim, sacrifice de cette merde, sarcophage, et on prie pour qu'à un moment il ait une ouverture pour taper, ce qui est pas gagné en fait. Et là, je tape. Bah non, parce que je suis contre un putain de robot, en fait. Je suis juste abattu. Et là, je sais pas ce que je fais de ma vie, en fait. Il y aura jamais d'ouverture, en fait. Il y aura juste jamais d'ouverture, en fait. Là, c'est... Attends, quand Roboboom meurt, la créature en face, ok, et les créatures alliées adjacentes subissent 10 de dégâts. Donc là, en fait, je vais perdre mon... Là, c'était le pire play à nouveau. Je vais juste perdre mon... Ouais. C'est le moment de tout sacrifier et de mettre au Roboros, hein. C'est vraiment le moment de tout sacrifier, de se barrer avec Ouroboros. Hein. Seulement, où est-ce que je tape?
Si je le mets, vous vous rendez compte que... Pff, je le mets là, en fait. Ouais, je le mets là. Mais ça veut dire que dans deux tours, il rencontre Roboboom. Mais il reviendra dans ma main. À gauche? Mais non, mais à gauche, ça veut dire qu'au tour d'après, il est en face, hein. À droite, hein. Eh oh, eh oh. Les amis. Bam, bam. Ici, et il tape. Tac, pour rééquilibrer un petit peu. Je crois que je vais die quand même. Je crois que je vais die quand même, les petits potes. Quoi? Quoi? C'était pas le blaze? Vous vouliez que je le mette où? Vous vouliez que je le mette... Quoi? Pourquoi je suis en train de me faire agresser par le chat de... Fallait pas tuer la momie? Ah, fallait pas tuer la momie, tu voulais que je mette autre chose. Tu voulais que je mette un écureuil, mais je sais pas si j'avais l'écureuil. Robot viande égale 300, quoi? Robot viande égale 300. Ah, j'ai compris ce que vous avez dit. Le robot valait 300. Bah et alors, qu'est-ce que vous vouliez que j'invoque avec? En quoi est-ce que c'est mon problème? Attendez, fondeuse. Quand la fondeuse meurt, la créature emprisonnée à l'intérieur est... Pff, quel enfer, encore. Donc là, c'est... Est-ce que c'est lose? Non, c'est pas encore lose. Bon, là, je perds Ouroboros. Si j'attaque, je perds Ouroboros, mais il perd tout. Hein. C'est ça que vous réalisez pas encore. Petit fossoyeur. Enfin, sport au fossoyeur, bien sûr. Petite attaque, tout le monde crève. Là, vraiment, tout le monde crève sur le board. Hein? Quoi? Bon, il a un robot viande, personne sait trop pourquoi. Il a un robot viande, personne sait trop pourquoi, mais c'est pas grave. Ouroboros. Tape. Puis voilà, en fait. Moins une vie. Le scanner est allumé. Alors, quelle carte scanner? Oh, j'en suis réduit à un seul choix. Elle pourrait avoir de meilleures statistiques. Quoi? Mon feu. Mais... Oh, il y en a une qui est passée de mon côté. Ouais, mais il tape une seule fois. Attendez, faut que je mette... Faut juste un truc pour tanker cette merde. Genre le dog. Ok, si je sacrifie le squelette... Je pose le squelette, je sacrifie le squelette, j'invoque le dog tank Ouroboros, on est bien en fait. N'est-ce pas? Ouais. Sacrifie les deux Ouroboros, tu penses, mec? Il n'a pas assez d'os pour jouer cette créature. Excuse-moi, frère. Faisons-le dans ce sens-là. Ah, Ouroboros. Salut. Paf, paf, paf. Ouroboros, 9-9, hein. Mine de rien. Marteau Ouroboros. J'imagine que même une partie sans la moindre erreur ne fait pas le poids face à une bonne RNG, frère. Et 2-3. Oh, ils sont dans l'ordre. Sacrifie Ouroboros pour invoquer Ouroboros. Direct, t'as gagné. T'as pour ambition de devenir scribe des créatures. Comme ce simple d'esprit, tu devrais y réfléchir à deux fois. Ouais, j'ai choisi... J'aurais pu faire une boucle d'Ouroboros. Ouais, mais vraiment, je veux dire, suite était très drôle, mais est-ce qu'on veut casser le game comme ça? Est-ce qu'on veut que 100% des matchs soient win à la seconde où je pique Ouroboros, genre? Bob l'a fait. Oui, je... Ah, il parle plus. Ah, c'est vraiment un rageux, le robot, hein. Il m'adresse même plus la parole. Je préfère te faire casser la gueule, disons que je préfère triompher dans la sueur et l'abnégation, en fait. Attendez, il est où le miroir? J'ai envie d'essayer de changer de skin. Non, il est en haut à droite, le miroir. Il y avait des trucs à droite du robot? Ok, on va aller voir. On va aller voir, mais on va changer de skin. Je vais abandonner le skin Krilin pour un vieux pirate. Ou une rousse.
Ou un vieux pirate. Tu sais quoi, je suis un vieux pirate. T'es pas chaud de suivre le truc buggé? On pourrait, hein. On pourrait... Attendez, est-ce qu'ils m'ont donné une nouvelle carte, eux? C'est quoi ça? Des mulots? Mais j'en ai zéro, ça. Où est-ce que vous vouliez que j'aille, déjà? Ah ouais, pièce. Robot. Il y avait des trucs... Il y avait des trucs à droite du robot. Oh, c'est vrai, il y a des coffres. Oh. Non. Je pensais que c'était des boosters. C'est quoi cette merde? C'est quoi son effet à lui? Ça fait quoi, ça? Triple tête de mort. Dégage. Triple tête de mort, là. C'est quoi, ça? C'est quoi, ça, sens interdit? Ah, c'est la bombe. C'est quoi, sens interdit? Personne sait. Il cancel l'attaque en face. Je peux pas taper. Ok, si on était encore dans la version première personne, je pourrais juste cliquer droit sur les effets et il y aurait le petit bouquin pour me dire quoi fait quoi et ce serait incroyable. Ok, donc ça c'est la bombe. Donc c'est très simple, hein. Si la bombe attaque, bim, en face ça explose et ma créature volante elle explose aussi. Donc super. Donc je perds vraiment énormément. Donc peut-être que tu vas rester là. Peut-être qu'on va plutôt taper 2 ici. Taper de 2, taper de 3. Ouais, bon, évidemment, ici il y a un énorme problème. Ok, faut que je fasse avancer ça pour qu'elle pète elle. Et puis c'est bon. Let's go, bien joué à tous. Les boosters. Les boosters, mais c'est que des cartes robots, tout le monde s'en fout, tout le monde s'en branle. Oh, un grizzly. Mage athlète. C'est un mage qui va à la salle. À la fin de son tour, un mage athlète se déplace dans la direction, les créatures sur son passage sont poussées dans la même direction, incroyable. Vas-y, bon, je pense que le deuxième va être plus dur, malheureusement. On a une menthe, on a plein de bestioles qui volent et qui bloquent, mais elles sont au fond, donc elles ne pourront rien bloquer. Pourquoi? Quel est le but? Alors, les circuits, ça fait quoi? Les circuits, ça veut dire... Circuit, ça veut dire que lui, en fait, il faut que je compte qu'il a plus 1 d'attaque, en fait, c'est ça qui se passe? Parce que toi, tu tapes à 0, du coup. Ah, mais attendez, je peux peut-être ramener les circuits chez moi, en fait. Oh, mais je peux ramener les circuits chez moi, mais qu'est-ce que vous allez faire, en fait? Ok. Ça fait plus 1. C'est bon, là, non? Toi, tu gagnes 1, tu tapes 1. Toi, tu gagnes 2, tu fais tac-tac. Ils étaient... Wow, ok. Ils étaient plutôt simples, en fait. Mage orange. Double mitraille. C'est drôle à jouer, les robots. Est-ce que ça vaut le coup qu'on fasse un deck robot maintenant qu'on a 100 000 cartes robots, genre? Est-ce que c'est fun? Non, faut faire des circuits avec les robots, genre. Oui, bof. Oui, bof, oui, pas vraiment. On est vraiment sur un 50-50. Ah, vous voulez que je suive le truc qui est... Vous voulez que je suive le truc qui bug, là? Ça va pas prendre 8 ans? Pas nécessairement. Je sais pas ce qui est devenu le truc buggé. Je le vois plus, il était censé être ici à la base. J'aurais peut-être dû avoir la patience de le suivre. Tu le veux, ton booster? Tiens. Allez, file. Il en a rien à foutre, vraiment. Lui, c'est le seul mec qui est encore à peu près sain d'esprit, qui comprend pas pourquoi tout le monde joue aux cartes. Il y a une pièce à gauche du robot. Quoi? C'est faux, tu m'as menti. Le robot est là. Et à gauche, il y a de l'eau, en fait. Pourquoi me mentir de la sorte? T'es parti quand le truc buggé était sur le tapis roulant. Ouais, mais fallait... Il se passait vraiment un truc si j'attendais le truc buggé jusqu'à la fin? Mais c'était très long. C'était très long. Et c'était très lent. Suis les tapis. Ah.
Suis le tapis point d'interrogation. Ah, je vous trouve un petit peu désagréable avec vos suis le tapis point d'interrogation comme si j'étais l'idiot du village. Je suis jamais allé à gauche. Je suis jamais allé à gauche. Je suis sûr que je suis déjà allé à gauche. Il va y avoir le marchand. Oui, voilà, il va y avoir le marchand, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Je peux peut-être me laisser tomber là où vont les trucs. Salut, tu vends des trucs? Ouais, mais tu vends des robots, j'en ai rien à foutre en fait. Droïde costaud! Ah, yes. Bon bah c'est l'heure d'aller découvrir le pays des magiciens. Hein. Pas assez riche pour acheter Hogwarts Legacy, mais... Hop là, c'est presque la même chose. Regardez. Il est écrit « Salutations », si tu lis ça, c'est que tu veux me défier. Moi, Magnificus. Magnificus, je me souviens de lui. C'était le maître de la bouteille verte dans la première version du game. Mais pour obtenir ce privilège, il faut d'abord vaincre mes trois élèves. Dantan, où les trouver? À toi de le découvrir bien cordialement. Magnificus. Regarde, le paquet de cartes à côté du robot est vraiment Sire DC. Ton message arrive trop tard, en fait. Je suis dans Hogwarts Legacy, mec. Regarde, le paquet de cartes à côté du robot. Mais j'ai déjà essayé, en plus. J'ai déjà essayé d'interagir avec le paquet de cartes à côté du robot. Y'a R. Y'a R, mec. Y'a R. Ah, si j'avais attendu que le truc... Si j'avais attendu que le truc buggé passe, peut-être qu'au moment où il se faisait scanner, il me sortait une carte de fou. Ça, c'est possible. Ça, c'est fort possible. Mais là, je crois que comme on l'a pas fait, c'est loose, hein. Et je pense qu'il m'a demandé de... Et je pense que le viewer là m'a demandé d'aller checker dans le paquet de cartes parce que c'est là qu'atterrit la carte spéciale une fois qu'elle est arrivée. Mais là, c'est loose en fait. Salut Pavo, c'est ton premier message dans le chat? Enchanté en fait. Retour dans Hogwarts Legacy. Un étrange monocle, tu le places sur ton arcade sourcilière. On voit les choses différemment d'un coup, ok. Oh, c'est quoi ça? Ok, j'espérais, dommage. Qu'est-ce que c'est que ça? Salutations, blablabla. Ah, ok. Donc crâne et vol. Mais il manque un troisième symbole. Est-ce qu'il y a seulement le crâne? Ouais, il y a le crâne. J'ai l'impression qu'il me manque un truc. Crâne. Vol. Crâne. Ah non, crâne, vol, crâne en fait. C'est tout. Crâne, vol, crâne. Bien joué à tous. Oh! Oh, la bouillie verte. La douleur est insupportable. Toi, vraiment, peu importe le monde, peu importe l'époque, ta vie, c'est de la merde. Mes organes sont en train de fondre. Bah oui, bah quelle idée aussi. T'as vu, Magnificus m'a transformé en bouillie. Pour mon examen final. Plus qu'un adversaire à battre, ensuite j'aurai ma place, celle que je mérite. Je serai l'une de ses cartes préférées. Ah ouais. C'est terrible. Y a pas un seul scribe qui est à peu près sain d'esprit, hein. Vraiment, y en a marre. Il s'apprête à jouer le Mox d'Emeraude. Très bien. Très bien. Joue donc, ouais. Joue le Mox d'Emeraude, mon gars. Vas-y. Vas-y, joue le Mox d'Emeraude, je te regarde. Joue le... Ouais. Non? Non. Il a pas eu envie de jouer le Mox d'Emeraude. Oh non! Merci pour les bits, monsieur Freka. Non, s'il te plaît, je t'en supplie, dis quand même au maître que j'ai réussi, il n'en saura rien. Tiens, prends donc ce booster. Je pense qu'il aurait dû... Il aurait juste dû mieux jouer, en fait. Je peux t'ouvrir la porte? Enfin, merci.
Ouroboros n'est plus drôle finalement. Bah oui, Hayato, évidemment qu'Ouroboros n'est plus drôle. Sauf qu'il y a des gens qui réclamaient un Ouroboros en 70-70. Tu trouves un booster au fond d'une pile d'instruments tranchants. Let's go. Ouais. Il y a un coffre en bas. Hein ? Il y a un coffre en bas, le coffre, première salle. Ah oui, c'est réel. Mais il est pas en bas. Il est en haut. Mage volante. Attaque directement l'adversaire même s'il n'y a pas de créature en face. Oui, c'est logique. Mox de Vorange. Y a quoi à droite? Marchand? Ouais, marchand. Plus un livre. Carte récupérée. Hein, c'est genre le... Hein? C'est quoi, une espèce de... Un bestiaire pour savoir lesquels il me manque? Il m'en manque, en fait. Hein. Même les créatures, même les bêtes que je pensais tout savoir, il m'en manque 3. Un Pokédex, ouais, très bien, très bien. Mage, ça a l'air un tantinet casse-couille à jouer, et surtout, j'ai pas vu une seule carte depuis le début, en mage, qui m'a fait me dire, elle a l'air trop forte. Après, tu me diras, je lis pas les effets des cartes mage, donc peut-être qu'il y a ça aussi. Ouais... Les yeux sans vie du mannequin se plantent dans les tiens, puis sans prévenir, il se met à bouger. Oh, wow. Mage puissant. Empêche une créature d'attaquer. Il est juste là, mannequin mage. Lui, il est juste là pour cuck quelqu'un. Il attaque pas, et tu peux pas attaquer. Ah, on dirait, mec, que... Hein ? Il n'a pas assez de sang pour jouer cette carte, sacrifie des créatures pour obtenir du sang. Ah, sacrifice impossible. J'ai cru qu'il avait pas assez bien joué et que j'allais pouvoir juste lui Ouroboros la tronche, mais apparemment non. Dommage. Ouais, bah on va juste attendre un tour, hein, vraiment. Sauf qu'en fait, il y a personne pour taper sur le... sur le classon. Je propose de passer des tours, du coup. Hop là. Oh là là, mec. T'aurais dû mieux jouer. T'aurais dû mieux jouer, mec. C'est... Ouf. Casse le glaçon, ce n'est pas élégant comme solution. Ce n'est pas élégant. Les articulations du mannequin se remettent en place. Merci. Ah, j'ai compris ce qu'on fait là, en fait. C'est vraiment juste un fucking mannequin. C'est juste un mannequin. C'est juste un... En fait, c'est pas un adversaire. Je suis juste là pour... Tester des trucs. Il fera rien, en fait. Ah ouais, non, mais en fait, si vous me donnez un match... si vous me donnez un match pour buffer Ouroboros gratuitement, genre, vous vous rendez pas compte, en fait, de ce que vous faites. Hop là. Non, c'est très dangereux, ça. C'est vrai. C'est une terrible... Non, c'est de la merde. C'est vraiment... C'est très, très grave. Ah. Non, c'est juste terrible, en fait. Ah, putain, pourquoi j'ai fait ça? Je suis une merde. Faudrait juste que je... Tue les mobs pour le code. Tue les mobs pour le code? Ça veut rien dire. Tue les mobs pour le code. Faudrait que j'ai des bestioles. Faudrait que pour arriver à 6 os et avoir la bête du pharaon, faudrait que j'ai des bestioles qui coûtent pas des os à invoquer. Ouais, genre. Bah non, genre pas tôt en fait. Il me faudrait des écureuils. Mais là, j'ai vraiment que des. Ouais, j'ai un full deck. J'ai un full deck stupide mort-vivant en fait. Tout me coûte des os. Ah, let's go, un écureuil. C'est dommage, je me suis dit si je pouvais sacrifier son... Hop. C'est honteux. Parce que là, vraiment...
stupide. Comment ça peut être dans le game? C'est complètement idiot. C'est complètement con. Ça c'est... Ouais, bon. Il est bien en 14. Il est bien en 14. Non, mais ça, il est bien. Ah, mais je peux... Ça donne de l'argent. je peux farmer thune infinie, en fait. Bah ouais, mon gars, je peux farmer... Ça donne de l'argent, bien sûr, ça donne de l'argent, évidemment. Ah, alors... Qu'est-ce qui se passe si je tombe dans un trou? Je retombe au premier étage, en fait. Bah oui, évidemment. Il n'y avait pas une énigme sinon? Alors, réel, mais... il y a une énigme en rapport avec le mannequin, en fait. Vous voyez, mon œil bizarre m'indique qu'il y a quelque chose avec le mannequin? Peut-être un truc à découvrir pendant le fight? Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça pourrait être? Peut-être qu'il faut lui détruire ses bestioles. Peut-être qu'il faut lui détruire ses mannequins. Qu'est-ce qui se passe si genre je lui pète un mannequin? Il en met un autre. Oh! Ok, comment est-ce qu'on fume le mage puissant qui nous empêche d'attaquer? Ça a l'air incroyable. Donne-moi des os. Le corps retentit. Avec une bombe, j'ai pas de bombe. J'ai une bombe. Ouais, avec. Bah non, de toute façon, même si j'avais robot bombe. Si j'avais robot bombe, il attaquerait pas, donc il le pèterait pas. Donc il me faut une bestiole qui est capable de taper sur le côté. Il me faut genre une menthe. Ouais. Il me faut une menthe. Il me faut un truc. Il me faut quelque chose. Ouais, il me faut ça. Il me faut DS menthe en fait. Bombe marteau. Tu le marteau? Ah, ouais, c'est possible aussi. Ouais, c'est également faisable, mais la menthe marche. Oh, pourquoi oh? Pourquoi tout le monde me dit oh? Ouais, c'est DS menthe, hein, c'est tout. Hein. Rien, vu. Vu, pas vu, hein? Qu'est-ce qui vous arrive encore? Vu Mérine. Quoi? J'ai rien vu. Je me sens extrêmement isolé. Je vais passer mon tour jusqu'à ce que DS Manta accepte de se pointer. Au pire, prends les deux. Ça c'est parler comme quelqu'un qui a pas confiance en sa stratégie, ça. Yes. Paf. Tape pour voir. Ok. Ça marche pas. Ça marche pas. En fait, ça veut pas dire... Le sens interdit signifie pas... Attends, c'est débile, mais alors ça veut dire que la bombe marchera pas non plus, en fait. La bombe marchera pas non plus, en fait. DS Mante, ça dégage. Je vais essayer avec la bombe, mais... Je l'ai pas la bombe, faut que j'aille la jeter, genre. J'ai jamais droppé. Attendez, fusil à plasma. Inflige un point de dégâts à la créature qui bloque fusil à plasma. Ça marcherait, ça, vous pensez? En échange de 1 d'énergie, vous pensez que ça marcherait, ça? Peut-être que ça marcherait, ça. Elle attaque pas. Ouais, ça marcherait, un fusil à plasma. Je le sens bien. Est-ce que je peux y aller avec une carte? Non, je peux pas y aller avec une carte. Je vais lui demander de m'auto-compléter un deck.
Faudrait que je comprenne exactement comment marche mage puissant. De toute évidence, il peut pas prendre de dégâts. C'est pas juste la créature en face ne peut pas attaquer. C'est si une créature attaque, il n'y a aucun dégât en fait. Sinon, Mante aurait marché. J'ai quoi? J'ai des drones mitrailleurs. On s'en fout. On s'en fout. Donne-moi le fusil à plasma, frère. La Mante est encore là. Il m'a auto-complété avec la Mante. Ok, fusil à plasma. Hop. Fusil à plasma, tire un coup. Pas mal. Qu'est-ce que j'ai pour me battre maintenant? Module Mox. Ok, j'ai des gemmes. Mage athlète. Va lui casser la gueule, s'il te plaît. Pas mal. Ok, donc j'ai crâne et vol. C'est quoi le troisième? C'est quoi la strat? J'ai crâne, vol et poussé, ok. Crâne, vol et poussé. Très bien ça. On tente. On tente. Crâne, vol, poussé. Merde, ça devait être ça. Je suis abattu, donc c'est dans un autre sens. Peut-être vol, crâne, poussé ? Vol. Merde. Poussé, crâne, vol ? Dans quel sens ? Poussé. Putain, vous savez combien de combinaisons il y a ? Poussé, vol, crâne ? Non. Mais je suis abattu là, lesquels j'ai pas fait encore. Donc c'est pas poussé en haut. C'est pas crâne en haut, il me semble pas, donc c'est probablement vol. Vol, poussé, crâne. Je vais toutes les faire, frère. Mais mais enfin. Attendez. Il peut pas y avoir tant de combinaisons que ça, il doit y en avoir 6. Non, plus que ça. Pousser en haut. Mais j'ai fait pousser en haut. Mais j'ai fait pousser en haut. Pousser vol crâne marche pas. Pousser crâne vol marche pas non plus. Donc non. Ok, essayons avec crâne en haut. Crâne... Ah, c'est... Allez tous vous faire foutre. Voilà. Bon, il me faut un vrai deck. Il me faut un vrai deck. Putain, faut que je refasse mon deck. Faut que je refasse mon deck. Je sais plus ce que j'avais mis dedans. Je sais plus. Nécromancien, c'est bien. Ouais, Tados, c'est bien. Je prends un comme ça. Les Banshees, c'est fort. Ça, c'est très très fort. Ça, ça dégage. Ça, c'est fort. Ça, ça tu sais quoi, j'en prends un. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ah, j'ai pas beaucoup de bestioles, hein, en fait. Je prends un deuxième comme ça. Je prends un comme ça. Banshee. Ouais. Et puis là, je prends genre Ouroboros. Je prends Ouroboros parce qu'elle est en 14-14 quand même. Quand même. Et puis voilà. Trop de coups en os. Puis des écureuils. Bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse de mes écureuils en fait? Ouais, bien sûr, deck. Imagine que tu aies un cube de glace en train de fondre lentement sur une poêle chaude. Oh, je me parlais à moi-même. La douleur qu'on ressent, la tête empalée sur une pique. Non mais ils sont tous tarés dans ce monde, hein. Vraiment, y a rien qui va. Hein. Ok. Chevalier mage. Ouais. Bon, j'ai rien qui tape. C'est malencontreux. J'ai rien qui tape. Après avoir attaqué, squelette meurt. Golem de rubis. Quand Golem de Ruby meurt, invoque un Mox de Ruby à son emplacement. Mais du coup, si j'enlève le Mox de Ruby... Chevalier Mage meurt quand son propriétaire n'a plus de carte Mox sur le plateau. Donc vraiment, ce qui va se passer, c'est que tu vas drop ton Chevalier Mage, je vais péter ton Mox de Ruby, et ça va être fini pour toi, genre. Bon, c'était la pire main, en fait. C'était la pire main, j'ai rien d'intéressant à jouer, voilà. Tout ce que je voulais dire, c'est de la merde. Tiens, prends ça dans les dents. Et Merde, golem de rubis. Casse les couilles, golem de rubis, frère. Je pense que je le mets là.
Et il faut que je me dépêche de... Tac. Là, le squelette, il va mourir. Je vais récupérer 3 os. Je vais pouvoir... Voilà, là, le chevalier, il crève. Bien fait pour lui, il est pas beau. Oh, j'ai presque loose. J'ai presque loose déjà. Mais que... Mon enfant. Mais wesh. Putain, la main est catastrophique. J'ai l'impression de réavoir mon deck du début où il n'y avait rien de jouable. Plus d'os. La corne. Mais ouais, alors, mais attends. Mais si je joue la corne. Si je joue la corne, je tombe à 2. Je sacrifie 3 d'énergie. Je monte à... c'est quoi, c'est 3 à chaque fois? Je monte à 11. Je peux invoquer 9, 10, 11. Je peux invoquer pile les deux. 1. Hein. 2. Toi ici et toi là, c'est clean, hein? C'est clean. J'ai pas particulièrement de reproches à faire à cet enchaînement. Par contre, là, je perds là? Non, je perds pas encore. Est-ce que je laisse Sporofosseur se faire goumer? Est-ce que j'envoie pas juste Ouroboros et on termine la partie? Non, j'en ai marre de gagner avec Ouroboros, elle me casse les couilles cette carte. Vous comprenez? Je suis plus qu'un Ouroboros, je peux faire des plays intelligents. Laissez-moi. Un, deux, trois, quatre. Oh, tu sais quoi, je tape. Oh, lui, il m'a goumé, mais vraiment, ça a pas changé grand-chose. Tiens, un écureuil. Hop là. Quel bel win. Après tout, je suis peut-être pas essentiel à sa stratégie. Je m'en fiche, il peut même m'utiliser comme un misérable obstacle. J'ai maîtrisé l'art de la déception. Prends ce booster, vraiment c'est terrible, hein. De tous les scribes, ça, c'est fou que quand même le premier scribe que tu rencontres, c'est quelqu'un qui transforme les cartes en les photographiant. C'est quelqu'un qui transforme les gens en cartes en les photographiant. Après tu rencontres une punaise mort-vivante et un robot, et quand même le plus taré de tous à la fin, c'est le magicien, genre. Y'a rien qui va. Ok, troisième énigme. Ce sont les personnes cupides qui trouvent l'emblème du haut. Ce sont les personnes dures d'oreille qui trouvent l'emblème du bas, ou celles qui entendent trop bien. Ce sont les personnes au teint blafard qui trouvent l'emblème du milieu. Le coffre ne contient qu'une seule carte, un lapin. Merci. C'est quoi ça? Ok. Crâne. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Les personnes cupides trouvent l'emblème du haut. Donc ça, c'est le lapin. L'emblème du haut, c'est le lapin. Parce que j'ai ouvert le coffre. C'est cupide. Les personnes dures d'oreille trouvent l'emblème du bas. Ou celles qui entendent trop bien. Personne au teint blafard trouve l'emblème du milieu. Au teint blafard? Au teint blafard? Je pars du principe que le crâne, c'est ça. Je pars du principe que teint blafard, c'est crâne, même si je vois pas de relation hyper... ouais, voilà. Bon, attendez, ceux qui entendent trop bien. Chut. Bon, après, je peux juste brute force. Après, je peux juste brute force et tester tous les emblèmes du bas, mais... J'ai rien à comprendre. La musique est différente quand je passe dans cette pièce. Enfin, genre, c'est la même, mais elle est atténuée de fou. Mais est-ce que c'est la même que ailleurs? Ouais, c'est juste la même.
Donc même brute force ça marche pas. Ok, essayons d'inverser lapin et crâne. Cette énigme m'échappe. Les personnes cupides trouvent l'emblème du haut, c'est le lapin. Ça ne fait aucun doute. Crâne blafard, bon, pourquoi pas. De toute façon, je comprends pas. Tant que je comprends pas ce que ça veut dire, dur d'oreille, j'ai aucune chance. Ou celles qui entendent trop bien. J'ai toujours été nul à chier en énigme. Enfin, genre devinette. Vous voyez les trucs à la Perfouras dans Fort Boyard. Je suis à la fois immobile et en mouvement. Pff, ta gueule. Je vais trouver. Attendez, déjà, c'est quoi les symboles disponibles? Poussée, enquête, lapin, crâne, flèche. Je sais même pas à quoi ils correspondent. Je sais même pas s'il y en a un qui a un rapport avec le son. En fait, je ne sais pas c'est quoi les pouvoirs de ces trucs. Je sais pas ce que fait le crâne. Je sais pas ce que fait la flèche. Je connais vol, nager, pousser. Ça, je sais pas ce que c'est. Après, écoutez, ça peut avoir un rapport avec le lapin. Ah. Il me faudrait genre au moins... Tu refouilles l'endroit et remarques un emblème là où il y avait la carte ? Hein ? C'est honteux. C'est honteux comme jamais. Oh, les animaux. Donc alors, attendez, c'est bien ça. Le lapin était un bait, en fait. J'ai toujours pas compris le truc d'entendre, mais le lapin était un bait, en fait. C'était ça, le problème. C'était quoi, le truc d'entendre ? Test de privation sensorielle. Il fallait regarder les options. Est-ce que je peux le faire maintenant ? Options. Trop tard ? Ah, ok. Ça n'existe plus, ok. Ouais. Bien joué à toi, frère, hein, vraiment. C'est dommage. Il a si bien joué jusque-là. C'était incroyablement stimulant. Pas sûr, mon gars. Tu n'oserais quand même pas partir ? Je crois que je vais partir, mec. Je suis désolé. Je suis désolé. Si j'ouvre la porte, tu devras me rendre visite au retour et me libérer. Compris ? Ça marche, mec. Je te sortirai de là. Alors. Magnificus. Ah, mais c'est lui, en fait. C'est lui qui a peint tout ça. Oui, c'est lui qui a peint tout ça. Qu'est-ce que ça dit, ça ? Grimora, j'ai lieu de croire que la stratégie de Joe pourrait mener à plus qu'une prise de pouvoir, à n'en pas douter, cette grande transcendance va avoir des conséquences catastrophiques et imprévisibles. Je t'invite à réfléchir à... Y'a quoi à droite ? J'arrive frérot, mais y'a quoi à droite ? Une fontaine ? Un miroir ? De l'eau ? Oh ! Ouais ! Hein ? J'ai attrapé la tentacule ? Et ça a sauvegardé un truc ? Mais je saurais pas dire exactement ce qui s'est passé.
Peut-être que j'ai gagné la carte Kraken. Oh, option. Bah voilà, bah c'est là en fait. Y a pas de doute, évidemment. Bah et ça t'est là depuis le début en fait. Y a une zone que t'as pas visitée. Les couleurs, c'est le bouton menu que tout le monde a vu. Ah merde, ah oui non, j'étais loin d'imaginer que. C'est vrai que c'est le genre de jeu qui aime bien péter le quatrième mur. C'est vrai, c'est vrai. Ah, te voilà enfin. Comment trouves-tu mes élèves? Je les trouve malheureux, mon gars. Sais-tu donc quel genre de toile tu te retrouves peint? En réalité, tu es le pinceau. Et l'artiste te déplace avec tellement de brio que c'en est effrayant. Mon œil me brûle, j'ai un pressentiment, l'avenir est extrêmement sombre. Il a les mêmes yeux que... Tu as lose? Tu as lose? Comment ça j'ai lose? Mec, il a même pas posé une seule carte encore, donne-moi 5 secondes. Il a les yeux tourbillonnants du scribe de la première phase. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que quand j'ai dit yo, je veux devenir le prochain scribe de la nature, ça voulait dire... Est-ce que j'avais le choix d'être autre chose que le scribe de la nature? J'avais le choix d'être autre chose, donc j'étais pas... C'est pas un scénario où, de toute façon, le scribe de la nature contre qui on a joué dans la première version, c'était moi, genre. Admire le pinceau de la magie. Le pouvoir ne se limite pas à cela. En fait, le pinceau transforme les gens en cartes. Un peu de couleur. Waouh ! Il lui faut un peu de savon. Il change les effets, il en a rien à foutre. Il en a rien à carrer. C'est quoi ça, le lapin? Ça invoque des lapins, c'est ça? Oh là. Il danse. Incroyable. Ok. Ok. 9. 9, c'est un coup pour Ouroboros, ça. Le fight a l'air relou, hein. Bon, et c'est quoi 1? Vous savez quoi? Essayons 1 pour voir ce qui se passe. Les cartes Mox du côté... Ah, les cartes Mox du côté du plateau de leur propriétaire gagnent 1 de puissance. Très bien, mais j'en ai pas en fait. J'ai un deck idiot avec des... J'ai un deck stupide avec des squelettes en fait. Tu comprends le problème? Oh, à chaque fois que je ramène une carte, il me l'a... Mais c'est quoi ça? Lapin vous fait piocher X cartes, X étant égal au nombre de cartes Mox sur votre côté du plateau. Mais j'ai pas de cartes Mox, mec. Là, ça fait 0 du coup. Oui, ça fait 0, ok, très bien. C'était juste pour être sûr. Tac, le drogueur qui fait des dégâts en... Oh non. Oh non, mon meilleur effet, non. Là, je suis abattu. Là, je suis anéanti, par contre. De toute façon, ma pioche est compliquée, genre. Il tue le principe du deck building. Oui, il tue le principe du deck building. Hein. Vraiment, mes cartes ne font plus ce qu'elles sont censées faire. C'est honteux. C'est vraiment très très grave. Le jeu qui triche. Vous vous rendez compte? Vous savez ce qui va se passer quand ça va être le tour d'Ouroboros et qu'il va lui enlever sa résurrection? Là, on va être très triste. Yes. Pff, je sais pas, frère. Tiens, prends ça dans les dents. De toute façon, lui, je peux l'envoyer flinguer mage bidule et puis... Puis voilà, c'est quoi ça? Accro aux gemmes. Ah, le crâne. Je sais toujours pas ce que fait le crâne. Quand il meurt, il invoque un mox de rubis à son emplacement. Ok, sauf qu'en fait, je suis mal barré, comme. J'ai pas d'os, les amis. Je sais pas ce que je peux faire.
J'ai perdu. J'ai déjà perdu. Quel enfer. Il est super chiant. Il est super chiant. Est-ce que je peux réellement... Est-ce que mon deck os a la moindre chance contre ces merdes? Pas vraiment, parce que toutes les cartes os ont trop besoin de leurs effets, en fait. Peut-être juste un deck animal de grosse brute. Tu sais, le vrai deck animal où genre je me pose pas de questions, je sacrifie des trucs et je lui envoie Ourayuli dans la gueule. Et juste schlack. Bon, les robots, n'en parlons même pas, en fait. Deck magie. Non, mais deck magie, c'est que des trucs qui fonctionnent à la... Deck magie, c'est que des trucs qui fonctionnent à la... Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui se passe si, genre, je sors un Mox et qu'il m'enlève son effet? Test deck magique. Je sais pas jouer la magie, les amis. Je veux bien essayer, mais... Si je fais auto-compléter pendant que je suis sur la page magique, est-ce qu'il va me le compléter en deck magique? Oui. Non, pas vraiment. Non, il fait nimp. Il fait absolument nimp. Ça on garde. Ouroboros, tu sais quoi, on va garder Ouroboros. Tous les trucs stupides. Il a essayé de faire quelque chose d'équilibré quand même. Hein. Je voulais que je fasse deck magique, mais je sais pas le jouer. Je sais pas le jouer du tout. C'est compliqué, hein. Deck Ourayuli. Deck Ouroboros. Non, ouais, frère. Y a aucune chance pour que j'apprenne à jouer magie. Ouais, je sais, je suis à 25 sur 20, je sais. Il y a aucune chance pour que j'apprenne à jouer magie sur le coup contre ce connard qui repeint mes cartes à la volée, genre. Ça va 110% finir comme sur Hollow Knight. C'est-à-dire on va faire le Pass of Pain pendant 5 heures. J'essaye une fois avec le deck magie et une fois que j'aurai perdu, je lui enverrai un deck Ourayuli dans la gueule. Admire donc. Cette carte est passable. Ah, il change pas les Vox. Il change pas les Vox. C'est pas mal. Alors, mage orange, les cartes Mox. Il faut que je fume le mage orange avant que le Mox se mette à attaquer, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Et ça c'est quoi? Mage vert voit sa puissance augmenter en fonction du nombre de gemmes verts. Super. Je tente des choses, hein. Je tente des choses, ne nous énervons pas. Hop. Hop. Golem de rubis. Exactement. Lui, je peux l'envoyer aussi, hein. Mage athlète. Il faut avoir une gemme verte, merde. Évidemment qu'il faut avoir une gemme verte. Je tente des choses. Bim bim. 2 de dégâts. Bon, lui il est chiant. Et là normalement je tue le mage orange et donc le Mox arrête d'être relou. Et lui, toi j'ai pas besoin de toi en fait. Nombre de cartes Mox. Oh putain, ça c'est incroyable par contre. Attendez, je sacrifie celui-là pour avoir de la place, et là j'ai 3 Mox, je tire 3 cartes. Oh oui. Oh putain, par contre il va faire ça à chaque fois. Il va faire ça à chaque fois, ça va être super long. Incroyable. Et maintenant tu attaques. Et j'ai gagné Jeune Sage. Ajoute un lapin à votre main. On s'en fout. Quand Gourmage meurt, invoque un Mox de rubis. Ouais. Zéro. Y a pas un truc qui attaque une fois de temps en temps? Tape-le, voilà. Ah oh merde, l'accro aux gemmes là. Oh, quel enfer. Mage néophyte. Les cartes Mox gagnent 1 de puissance. Pas horrible ça. Enfin bon, il y en a une qui est contre un truc à 9, mais. Et... quel enfer. J'ai rien pour tuer l'accro aux gemmes. Je suis malheureux. Le mage vert, il est bien, mais le mage vert, il tape à 1. Ah mais si, j'ai un truc pour tuer l'accro gemme, je suis une merde. Bien sûr, je suis une merde. J'ai rien dit, je suis désolé. Vous faites piocher.
Tac. Tu sais quoi, je mets le lapin pour tanker et pour piocher une carte. Tac. C'est quoi ça? Module Vox. Quand module Vox est sur le plateau, accorde une gemme verte, orange et bleue. Ah. Bah c'est incroyable. Bah c'est fou en fait, ce qui se passe. Je sais juste pas où te mettre. Je sais juste pas vraiment où te mettre en fait. C'est quoi le meilleur combo à faire ici? Il y a trop de combos possibles en fait. Si je le joue lui, je peux attaquer avec Mox Doreux, mais ça n'a aucun intérêt, il a 9 en face. Bon après je peux tuer l'accro aux gemmes, c'est déjà ça. Ah, j'ai plus de gemmes vertes. Est-ce que je peux pas juste... Tac. Tac, comme ça vraiment j'ai toutes les gemmes et on est tous très contents. Toi tu sers à rien, genre c'est une catastrophe. Toi t'es inutile comme pas permis. Je crois que c'est ça le plays, hein. Pff, vraiment. Comme ça on tape à deux, fuck. Le mage orange il va mourir, donc ça c'est bien. Toi tu tapes à un, mais on en a rien à foutre, c'est une catastrophe. Bon, au moins il tape. Franchement au moins il tape. Et il survivra au prochain tour. Là en vrai on est bien, hein. Je lui sucre sa carte, je tape deux fois, et on lui enlève une vie. Hein. Et là il va passer en mode « mes compétences diminuent avec l'âge, je pense que j'ai besoin de peindre mes propres cartes à nouveau. » très bien, mais encore. Il n'a pas encore fait de dinguerie. Donc là je peux taper à 3 et prendre 3 points d'avance, jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose de scandaleux. Ok, il vient de faire quelque chose de scandaleux. Il vient de faire quelque chose de très très grave. Est-ce que juste je mettrais pas un sorcier mannequin? Là je tape à... Ah mais c'est win en fait. Excusez-moi, en fait c'est win. En fait ce qui se passe c'est que c'est win. Non, ce qui se passe c'est quoi là quoi. Salut mec. Très bien. Bah let's go. Bien joué à tous. Le combat étant terminé, je peux maintenant parler. Vois-tu, mon œil, il me brûle car il se souvient qu'il a été arraché. Bah ouais mec, je sais. Avec la dague. Dans la cabane. Par nul autre que Leshy, scribe des créatures. Et il en fait une belle de créature. Arrogant, farouche et obsédé par le pouvoir. Mec, j'ai parlé à tes apprentis. Et tu n'as pas le droit d'ouvrir ta gueule en fait. Mais il n'est rien face au pire scribe qui est sur le point de régner sur toute chose. L'hermine évidemment. La perte de mon globe oculaire est loin d'être la pire chose qui puisse arriver ici. Il faut surtout que tu prennes garde à... Ah, il y a un délire. Il y a un délire, genre l'hermine a réalisé qu'ils sont dans un jeu et l'hermine prend le contrôle de tout en changeant les fichiers ou une bêtise comme ça. Oh mon dieu, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous êtes abattu dans le chat? J'ai gagné un chat, vous êtes pas content? Ouais, il y a une grosse ambiance Doki Doki Literature Club. L'hermine sait que c'est un jeu vidéo et l'hermine genre bidouille les sauvegardes. Est-ce que je peux sauver machin? Je lui avais promis de le sortir en repassant. Il est sauvé si t'as tué le mage? Je sais pas si je l'ai tué, hein. Il y a eu un glitch et il a disparu, mais vraiment c'est tout. Qu'est-ce qui se passe si je reviens ici du coup? Je suis parti, j'étais un jeune garçon, je suis maintenant un vieux pirate.
Le temps est venu, prétendant, choisis le scribe que tu veux remplacer. Ah. Est-ce qu'ici le move, puisque tout le monde laisse sous-entendre que l'Hermine est en train de faire un truc de dingue, est-ce que le move c'est pas de remplacer l'Hermine, genre? Le move, c'est de remplacer l'Hermine. Je veux dire, très clairement. Surtout pas l'Hermine ni l'Eshi. Quoi? C'est un point de non-retour. Lance un D4. On pourrait faire un sondage. On pourrait faire un sondage. Go Grimora. Alors vraiment, Grimora, elle intéresse personne. Hein, vraiment. Sache que tout le monde se fout de Grimora. Hein. La vérité, c'est que en fait, l'Eshi, il sert plus à rien à partir du moment où l'acte 1 est fini. Et à partir du moment où l'acte 2 commence, tout le monde te dit attention au robot, attention au robot, attention au robot. En fait, toutes tes pensées pour qu'ici, tu choisisses de remplacer le robot, genre. Remplacer Joe et devenir scribe de la technologie. Rends honneur à ton deck os. Ouais, mais le deck os reste beaucoup, beaucoup plus faible que le deck créature, hein. Vas-y. Salut. Ah, haha. Bande d'idiots. Quoi? Oh, tu m'as choisi. Super. Sauter le moment où les scripts se plaignent. Alors écoute, finissons-en, j'ai des gros coups à jouer. Ah, c'est un duel. Oh, la lune. Pour la finale, t'es face à une version améliorée. Ça va être différent. Oh, j'ai un deck magicien encore. Oh, j'avais oublié. Non, j'ai le deck magicien, quelle merde. Automate. Alors attendez. Est-ce que c'est sacrifiable ça? Non. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je peux rien invoquer. J'ai envie de crever, hein, vraiment. Tiens, prends un de dégâts, mon gars. J'ai laissé ça là. Je dois bien reconnaître le mérite de ce docker. Il est pas si inutile que je pensais. Ah. En échange de deux os, Gourmage voit sa puissance augmenter de 1. Ouais, ouais, jouons ça. Jouons ça, mec. Vas-y, tape la carte glitchée qu'on voit. 98 de vie, bien sûr, bien sûr, bien sûr, évidemment, évidemment, évidemment. Ah! Arrêtez! Il a tout cassé. J'étais clairement en train de gagner le duel, donc il a juste triché, en fait. Je veux dire, En plus, je sais pas qui m'envoie des DM sur Discord en plein milieu du dénouement dramatique du game, mais... J'ai fini de me fixer bêtement. On peut commencer. Oh, on est revenu à la première personne. Bien. C'était sûr. Voilà, Botopie. Autrefois, c'était un vaste paradis technologique. Là-bas règne 4 scribes. Ah non, hyperbots. Faut que tu y ailles et que tu les battes. Pourquoi? Pour la grande transcendance, quelle question. Peu importe ce que ça veut dire, tu vas le faire.
Ah non, c'est pas du tout... Avant, Botopi était une destination sans danger. Mais maintenant, des robots rebelles bloquent toutes les routes. Oh non. Misère. Ah bah tiens. Oh frère, quel enfer. T'as pas l'habitude de voir 5 colonnes. Les trucs... où ça? Ah oui, c'est vrai, il y a 5 colonnes. Les chi seraient jamais parvenus à faire ça. Oh, quelle galère. Ah, oh, faut savoir jouer robot du coup. Ah, oh, c'est terrible. Si j'avais décidé de me battre contre les chi, ce serait passé quoi? Et pourquoi j'ai pas mes... Ah, si je vois les... C'est bon. C'est la partie la plus balance du jeu. Tu dis ça parce qu'il y a une balance? Mon gars? C'est quoi là qui va m'arriver dessus? Un mineur, 1-1. Récipient vide? Ça fait quoi récipient vide? Ça tank en fait. Robot énergie. Non mais là c'est la sauce parce que je me suis lancé dans le mode... Je me suis lancé dans le mode du robot, je sais pas jouer robot. Double mitraille par contre ça a l'air fou. Bon faut avoir 6 de... faut avoir 6 d'énergie, c'est un problème. Accumulateur. Accorde une pile à son propriétaire. C'est dingue. Là je peux rien jouer en fait. Si je peux jouer récipient vide MDR. Ouais vas-y, jouons en tankant, on va tanker avec récipient vide mec. Ça va bien se passer. Aïe. Ok là j'ai 2, ok. Ah ça c'est des récipients, oh ok. C'est pour me faire comprendre que c'est des récipients. Je teste. Récipient vide, parfait parfait parfait, c'est des trucs à sacrifier, enfin c'est des trucs à sacrifier. C'est genre des tanks. Robot énergie du coup, pour essayer d'avoir robot sniper après. Hop là, 3A, ah, c'est instant. C'est fou ça. Robot sniper, vous pouvez choisir. Ou une carte ornée de cet emblème attaque. Ça c'est fou. En fait. Non, tu n'as pas assez d'énergie? Hein? Où est passée mon énergie? Ah, mais lui il avait... Je sais pas ce qui s'est passé frère, c'est pas grave. Le jeu a menti, t'as pas remplacé l'hermine. Le jeu a menti de fou. Mais il apparaît comme... Et pourquoi mon énergie elle est remontée? Je crois que c'était un par tour, mais pas du tout en fait. C'est pas du tout un par tour. Vas-y. Fume-le en fait. Comment est-ce que je... Bim, pas mal. Par contre le robot boom... je suis en train de me faire casser la gueule. Je découvre, mais je suis très clairement en train de me faire casser la gueule. Robot bouclier. Robot bouclier, armure. La première fois qu'une carte en est de cet emblème subit des dégâts, elle les bloque. Oh. Robot boom, il pète au bout d'un moment, détonateur. Quand elle meurt... Ouais, bon. C'est pas vraiment la peine d'aller embêter. Alors, insecto, il va me fumer. Oh, mais j'ai perdu dans... Je vais faire 1 pour 1, là? Non, je vais faire 2 pour 1. Faut absolument que je bute quelque chose. Peut-être juste jouer à un récipient vide. Ça fait quoi si tu perds maintenant? Double mitraille? Mais je peux pas sacrifier en fait. Il y a pas de... Ah, attends. Ok, je peux péter une carte. Est-ce que je récupère de l'énergie si je pète une carte? Je pense que non. Hein. Je sais pas exactement ce qui détermine comment l'énergie marche en fait. Est-ce que là j'ai moyen de gagner un point d'énergie pour aller faire double mitraille? Bon bah c'est juste robot bouclier, c'est juste robot bouclier ici hein. Puis on voit comment ça se passe. Là on se débarrasse de quoi? De toi hein. J'ai perdu. Ah le robot il tape. Ah mais oui le robot il a un dégât, quel enfer. J'aurais dû péter, je peux péter robot boom, c'est pas très grave. Ah, faut pas que... Non, faut pas que je le pose tout de suite. Faut que je snipe robot boom. Voilà, que je rééquilibre. Robot sauterelle, on s'en fout. Piocher un récipient vide, poser double mitraille. Full attaquer. Rééquilibrer. Ouais, on est bien là. Et je vais faire tellement de dégâts là. 1, 2, 3, 4... 4 de dégâts en plus, pas mal. La meilleure défense, d'autres robots. Tu
as une étincelle qui permet de réactiver d'anciens robots. Ajoute-la à ton deck. Ils se battront pour toi. C'est un truc de fou parce que là du coup t'es forcé de te demander si j'avais choisi un autre scribe, est-ce que je me serais retrouvé dans un monde où il y a ses cartes à lui et son esthétique à lui. Et la réponse est... peut-être. D'un côté j'ai envie de te dire oui évidemment parce qu'ils m'ont laissé le choix, mais d'un autre non, parce qu'il y a que Joe qui triche comme ça, vous voyez ce que je veux dire. T'as envie de dire c'est évident, oui ils ont fait 4 mondes pour les 4, mais en vrai un autre scribe aurait probablement pas triché de la sorte et je me serais pas retrouvé bloqué dans son monde à lui. C'est quoi ça? Robot permutation. Permute sa puissance et sa santé une fois qu'elle a pris des dégâts. Quoi? Mais c'est un truc de fou. Imprimante 3D. Quand elle subit des dégâts, pioche une carte. Dans votre pile de récipients vides. Ok, ça imprime des récipients vides. Super. On va prendre le robot permutation, je le sens bien. Il te faudrait plus que quelques robots remis en marche. Du moins, si tu veux vraiment que la grande transcendance ait lieu. À Botopie, on trouve les objets les plus cheatés. Recharge ton énergie une fois. Oh, nice. Je peux recharger mes objets au point de passage. Je note, je note, je note. Je peux cliquer ailleurs? Non. Ok, autre duel. Robot cassé. Un robot cassé, ça explose. Détonateur. Double mitraille. Récipient. De toute façon, les robots cassés font rien pour l'instant, donc ça va. Robot énergie. En fait, c'est juste une question du nombre de tours qui est passé. En fait, je pense que tour 1, j'ai 1. Et puis tour 2, j'ai 2. Oui, c'est vraiment juste ça, en fait. Hein. Vraiment, il n'y a pas de question à se poser. Robot permutation, ce serait... bon, quand on aura 6 d'énergie, bien sûr. Est-ce que je vais lose, là? Attends, je prends 1. Lui, il va mourir en attaquant, mais il va bloquer. Oh merde, elle va bloquer l'explosion, ça c'est terrible. La bombe va me faire mal. Je vais prendre 1 et 2. Bon. Je peux mettre des récipients vides. Pour le lol. Mettre un petit robot énergie. Fuck, je suis un débile. Les récipients coûtent 1. Je suis une merde. Oh, je suis vraiment une merde. Mais c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave. Bon, je vais prendre un dégât. Je vais prendre un dégât. On va survivre. Le robot sniper est trop fort. Le robot sniper est trop fort. Il me le faut absolument, en fait. Mais en fait, là, je crois que j'ai déjà lose. J'ai tellement de retard. Si je mets un dégât, je vis. Si je mets un dégât dans ses points de vie avec le robot sniper, je vis en vrai. Mais pour combien de temps? Salut Cacarotte, la carotte. Focus et tu gagnes. Ouais, j'arrive. Par contre, je trouve la musique un petit peu oppressante, là. Les grands violons dramatiques, là, c'est... c'est encore un problème de type Pass of Pain. Les grands violons dramatiques, c'est très très bien en petite dose. Ce qu'on veut, c'est... bon, de toute façon, c'est robot sniper, il n'y a vraiment pas le choix. Et il faut que je tue une bestiole. Ce robot bouclier n'a soit la bombe, soit lui, en fait. Idéalement, plutôt lui... Non. Idéalement, plutôt la bombe, comme ça, je prends le bouclier avec lui. Et lui, il me tape pas, et la bombe viendra, mais personne n'y touchera, et ça se passera très bien, en fait. Tac, salut. Ah, la bombe, elle tape. La bombe, elle tape, frère, j'ai envie de mourir, évidemment. La bombe, elle tape, faut aller se faire foutre. La bombe, elle tape. Pourquoi cette bombe, elle tape? J'ai 4. Une bombe, ça n'a pas de bras. Bah oui, mec, une bombe, ça n'a pas de bras. Et pourtant, cette bombe tape. Ça n'a aucun sens. Bon, faut que je mette un robot bouclier à un endroit où il est à peu près serein.
Puis on attend le tour d'après, hein. Hop, 5. 5, ce qui veut dire que je peux toujours pas faire quoi que ce soit d'important et j'ai un peu envie de mourir. Hop, alors là, juste le même et il ne sert plus à rien, c'est trop tard dans la partie, j'aurais eu 6 de toute façon. Ça pour bloquer. Ouais, let's go. Robot bouclier qui tape. Robot bouclier qui se fait tuer. Récipient vide pioché. Double mitraille. Évidemment, elle tape à 2. Évidemment, ici. Hein ? C'est vrai qu'il a son truc qui. C'est vrai qu'il a son truc qui negate les dégâts en fait. Hop ! Et puis voilà. Bien joué à tous en fait. Je peux pas faire beaucoup de dégâts supplémentaires malheureusement. Peut-être juste un. Juste un. Je bite absolument rien au jeu. Alors, c'est réel. C'est vrai que quand tu viens d'arriver, c'est probablement pas le plus simple. Le mineur, Ouais, le mineur, hein, parce que j'ai trop rien à jouer en début de partie. Tac. Le meilleur moyen de repousser ces robots rebelles, modifie les tiens. Donne-leur des capacités de cheater. C'est très réel. Choisis une carte de ton jeu. Ok, le robot sniper, ça a été la plus utile jusque-là. Voyons voir. C'est de la merde. C'est de la merde. Je peux en choisir une autre, MDR? Oui. Tu en penses quoi de cette troisième partie de jeu? Bah je commence à me demander combien de versions de ce jeu existent en fait. De fait, le robot énergie ou genre le mineur si je pouvais... Le robot énergie ou le mineur si je pouvais leur mettre des trucs vraiment stylés qui les rendaient utiles en début de partie, ça nous mettrait très très bien. Donc j'ai chien de garde, énergie. J'ai chien de garde, énergie ou renvoyer des dégâts. Donne un truc au robot bouclier. Oh, je peux mettre le renvoyer des dégâts au robot bouclier. Et ça, c'est fou. La première fois, il annule des dégâts. Ou alors chien de garde pour qu'il se retrouve face à un ennemi automatiquement. Robot bouclier qui renvoie des dégâts. Si ça marche avec son passif, c'est un truc de fou. J'aime bien, hein. Te lever? Non. Ok. Il nous faut accomplir la transcendance. Je... Ok, mon gars. Faisons comme ça. Ah, ah, ah. T'es presque arrivé. Concentre-toi. Je me concentre. Je suis focus. Je focus comme jamais, en fait. Gagnons ce duel. Ok, il y a... Oula, il se passe quoi sur les côtés? On n'a plus le droit de jouer sur les côtés. Super. Robot réveil. Créature opposée. Gagne 1 de puissance. Ah, le réveil est tellement casse-couille qu'on gagne 1 de puissance. Faut absolument mettre la... Faut évidemment mettre la double mitraille en face, mais ce sera dans genre... Non, c'est impossible, c'est dans 6 tours et elle va taper 2 par 2. Faut aller se faire foutre. Ouais, c'est les problèmes. Non, non, il faut le tuer, genre... Il faut le flinguer. En plus, c'est nul. C'est nul. En fait, c'est évident que t'as envie de mettre le robot mitraille en face, mais... Un récipient vide, ouais, bah au début, de toute façon... De toute façon, premier tour, c'est récipient vide et puis vraiment rien d'autre. Et quand on aura 2 tours, on en discutera. Peut-être que j'utilise le... Peut-être une bonne idée d'utiliser... Peut-être que je peux piocher les mineurs. Mais si j'ai rien pour empêcher cette merde d'attaquer... Bon, je prends des risques. Ouais, là c'est bien. Là c'est robot sniper, là c'est utiliser ça... J'ai passé mon tour, j'ai appuyé sur espace. Ah, pourquoi il m'a pas laissé utiliser ça? Bon, bah du coup maintenant je l'ai, MDR. Tu trolls, c'est chaud, mais... Pourquoi la barre d'espace, elle passe les tours? Pourquoi? Il y a spécifiquement une putain de sonnette sur le côté bien rangé à gauche pour que tu puisses pas la toucher par erreur, et ils ont bind passé les tours sur barre d'espace. C'est très grave. C'est trop grave. Ouais. Bon, bref. Robot sniper. Ouais, robot sniper. Je suis en train de me faire casser la gueule légèrement, mais c'est des choses qui arrivent. Hop, dégage. Automate va me taper. Je suis à
2 points de perdre, un plaisir, mineur. J'ai vraiment besoin que mon robot bouclier fasse quelque chose d'incroyable là en fait. Comme genre tuer cet automate de mort. Voilà, c'est tout ce que je demandais en fait. Oh là, alors lui il faut pas le taper. C'est incroyable qu'ils soient en face du sniper. Hein. C'est juste, c'est béni des dieux qu'ils soient en face du sniper. Ouais, c'est dommage pour la double mitraille du coup. Ça je ne sais pas comment l'utiliser mais pas très grave. Ouais, on va y aller lentement. Hein. Y a rien de bien intéressant à jouer en vrai. Y a rien de fou à jouer. Lui il va taper mon sniper. Ah oui, il va taper mon sniper. J'avais pas réalisé ça. Lui en fait, il swap. Lui s'il s'énerve, c'est la merde. Donc faut vraiment juste lui mettre un récipient vide et taper à côté. Hein. Ouais, c'est tout. Ah merde. Après c'est pas grave. T'as perdu quand même. T'as perdu de toute façon, mon gars. Hop là. Tu peux marteau les côtés, je pense pas. Je pense que ce serait beaucoup trop simple. Tu attends ton premier point de passage. Cool. Ouais, un point de sauvegarde. Tes objets sont rechargés. Les robots que tu as détruits dans la zone restent sur le chemin. Si tu meurs, tu reviendras ici. Pas mal ce système. Hein? Merci. Donc genre, ils sont encore là? Genre, je peux me rebattre contre eux? Non. Le jeu est si beau. Tu trouves? Attends. Donc il y a des routes. Il y a des trucs à explorer. Faut pas se perdre dans la carte. J'ai vu qu'il y avait des cartes. Hein. L'est de Botopi. Il y a pas grand chose là-bas. Pas grand chose? Mais il faut quand même que tu ailles t'explorer. Tu sais, pour la grande transcendance. Ah, merde. Bon, il y a un duel. Il y a un duel à droite, il y a des cartes à gauche. Prenons des cartes. On aime bien les cartes. Robot Amib. Coup du sort. Ah oui, ça c'est toujours ça. Robot cadeau. Une carte ornée de 7 ans. Il y a trop de cartes qui... Ah, parfait, robot sauterelle, il met bien, ouais. Il y a trop de cartes qui coûtent 2. J'ai trop de cartes qui coûtent 2, il me faut des cartes qui coûtent 1. Quand une carte ornée de 7 emblèmes meurt, ajoute une carte au pif dans votre main. Ouais, ok, pourquoi pas. Je vais prendre robot sauterelle, je pense. Oh, un PNJ. Oh là là, un PNJ vacant à ses occupations. Désolé, demi-tour. Ah, c'est le mec qui réparait le pont. J'ai besoin de temps. Va battre un boss, ça me laissera assez de temps. Ok, mon gars. Oh. Un piège avec un lapin. Qu'est-ce qui se passe si je marche dedans? Ah. Attrapé. Yes. Bravo, bien joué à tous. Quel joli commerce. Ici, on accepte les robots pièces. Alors, est-ce qu'on veut une carte, un truc, un lapin ou un... Ouais, quelque chose. Bon, battons-nous. Battons-nous, en fait. Tac, 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 tac. Ça arrive avec quoi? Avec un robot réveil. Amateur, un robot réveil. Tu crois gagner contre moi avec ça? Tiens, prends ce récipient vide. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Aïe. Eh, techniquement, je peux laisser le robot réveil me taper une fois, foutre un récipient vide et le goumer avec un récipient vide. Ça, c'est rigolo. Yes. Un max de barres même. Le fait que le robot bouclier coûte... Bon, là, laissez-moi utiliser ça. Recharge votre énergie au maximum, pas mal. Comment j'utilise ça, au secours? T'es déjà au max? Tu es au max, là? Vous voyez bien que je suis pas au max. Tu es au max? Mais qu'est-ce que... Ça veut rien dire. T'es à 2 sur 2. Ah! Ça dégoûte. Ça me dégoûte au plus haut point. Je suis abattu. Je comprends ce que vous voulez dire, mais je déteste ce système. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Récipient vide.
Bien joué à tous. Robot sniper, robot bouclier, ouais, j'aime bien. Robot réveil, bien sûr. Tac. Pas. Robot réveil se fait intercepter ses dégâts, évidemment. Parce que bien joué à tous. Mineur, on s'en fout. Robot sniper, paf. Ouais, pourquoi pas. Robot réveil à nouveau. Oh, robot réveil va tuer mon... Robot réveil va tuer mon robot sniper. J'ai l'air d'un tel débile avec les noms des cartes. Vraiment, s'il y avait quelqu'un à l'extérieur qui m'entendait dire oh, robot réveil va tuer mon robot sniper. C'est peut-être le moment d'envoyer robot sauterelle. Casse les couilles. Et là, j'ai pas de cartes fortes. Elles sont où mes cartes à 5 là? Manifestez-vous en fait. Envie de lui mettre des robots tartes. Je comprends. Je comprends bien. Voilà, donc il tue mon robot sniper. J'en ai marre. Il tue mon robot sniper. Oh non. Tu te demandes ce que c'est que cette étoile? Pas vraiment, mais je sens que tu vas me le dire. Tu enchaînes les victoires. Maintenant, ta tête est mise à prix. Ça va attirer les mercenaires. Toutefois, l'étoile disparaîtra si tu meurs. Ok, donc toujours le même jeu de cartes, mais cette fois, on a un spin-off... Far West, un petit peu steampunk, j'aime bien. C'est un spin-off Star Wars en fait. Si c'est Far West et technologie en même temps, c'est rien d'autre qu'un spin-off Star Wars. Robot sniper, robot sauterelle, mineur. On n'a jamais assez de robot sniper en vrai, non? Vraiment, si 100% des cartes ont un nom qui commence par robot, ça va être ingérable. Hop là! Merci pour ces robots dollars. Du coup, ils sont où les autres scribes? Alors là, mon gars, j'essaye de savoir si je dois jouer robot bouclier ou robot permutation. J'en suis pas à me poser des questions aussi techniques que où sont les scribes. Sache que... Voilà. Ensuite, Kaboom. Je propose de juste passer un tour. Ah, aïe. Ah putain, mais Kaboom, ça fait des dégâts, mais j'ai envie de mourir. Comment ça, la bombe, elle fait des dégâts? Ah ah! Robot énergie. Encore toi. Ok, je propose un petit robot énergie into récipient vide pour tanker. Bon, je vais prendre un point de dégâts. Mais c'est des choses qui arrivent. Oh là. C'est quoi ça? Oh, c'est un mercenaire. Hop, stonk. Je vais te faire la peau. Waouh. C'est pas contre toi, gamin. Ouais, c'est pour la prime, je comprends bien. Mais attendez, mais ça... Ça complique les fights de fou. Donnez-moi une vraie carte là, j'ai trop de cartes de merde maintenant, c'est le contraire. Alors, il tape à gauche et à droite et il tank de 4. Yes, un plaisir ça. Dans tous les cas, c'est la sauce. Ok, il faut que j'utilise robot cassé pour me débarrasser de... Si seulement j'avais un sniper. Si j'avais un sniper sur le board, je pourrais tirer sur robot cassé, faire péter robot permutation, puis attendre que hop, je tonk arrive et faire péter Kaboom, ce serait fou. Ma vie, elle serait trop bien. À la place, qu'est-ce que je fais? C'est pas très clair. À la place, mon gars. Casse le récipient vide et mets le mineur. Pourquoi je ferais une chose pareille, en fait? Si je mets le mineur, il va attaquer Kaboom. Kaboom va exploser. Je vais perdre mon mineur et Kaboom pètera avant d'emmener Hobbs Stonk avec lui. Là, ce qu'il me faut... Là, Robo Boros, mec. Robo Boros, mon gars. Là, ce qu'il faut, c'est que je survive un tour, en fait. Et qu'après, Obstonk soit en place et que je puisse le faire exploser. Voilà ce qu'il me faut. Mineur à droite pour faire péter le robot cassé. Ouais, je suis assez d'accord. Et après, je me débrouillerai pour faire péter Robo Boom. Casse la permutation. Oui, j'y vais. Chill. J'y vais. Ok, on se détend. Et je pense... Est-ce que vous pensez que le mineur se barre avant d'exploser? Est-ce que vous pensez que le mineur a le temps de se barrer avant d'exploser, en fait? T'aimes pas le bouclier? Comment dire? Il coûte 3, quoi, il casse les couilles. Ce que je peux faire... C'est mettre une robot sauterelle ici.
pour qu'il intercepte le coup de Hobbs Stonk. Comme ça, en plus, elle est à zéro. Elle triggerera pas robot permutation, ça nous mettrait bien. Bam, voilà. Aïe, 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 aïe. Et j'ai pris qu'un seul point de dégâts, en fait. Et je suis juste trop fort, en fait. Ouais, on est un peu dans la merde. Oh, on n'est pas tant que ça dans la merde, en fait. Salut. Oh là, c'est le top deck. Ça, c'est le top deck, hein. Vraiment, robot sniper à la dernière seconde. Ce n'est rien d'autre qu'un top deck. Allez, c'est robot gagné. Rentre chez toi, Hobbs Stonk. Oh putain, il y a un permutation en face. Yes, quel plaisir. Hop là, encore un robot sniper. J'ai envie de crever. Hop. Hop là, on rééquilibre un petit peu les points de vie. Oh, robot permutation, non. Enfin, ouais, vous voyez ce que je veux dire. Bam bam, on bourrine. Mais ouais, on bourrine. Mais ouais, c'est Robo Win. 15$, mon gars. Sois aigri tant que tu le veux, mec. Je sais pas où je suis. Je me suis perdu sur la carte. J'étais venu d'où? Qui suis-je et où vais-je, en fait? Il y a un duel à droite. Ok, je venais de là. Ici, il y avait un duel. Peut-être. Tac. Tac. Donc, je suis pas allé en bas. Ouais, ok. Il y a juste une espèce de... truc. Donne-moi des cartes. Oh, le robot boom. Oh, le robot boom, il est très très fort. Le robot boom, je le prends. Hein. Hop là. Let's go pour le robot fight, mon gars. Oh, putain, il y a que trois... Il y a que trois trucs. Ah mais on peut casser les parpaings en leur faisant des dégâts. Peut-être. Robot réveil, c'est un robot réveil amélioré, il tape à 3 là, c'est les problèmes. Non mais frère, il tape à 3. Faut aller se faire foutre. Petit récipient vide pour... Ouais, pour temporiser en fait. J'aurais dû mettre le robot boom. Je suis une robot merde. Je suis petit. Non, de toute façon j'avais pas assez d'énergie. Je pouvais pas son... Oh, je peux me débarrasser de robot réveil avec robot boom. Mais j'ai encore besoin d'un... Ouais, d'un récipient. Qu'est-ce que je fais? Récipient vide ici. Robot boom arrive. Robot sniper sur robot boom et puis bim. C'est tout. Hein? Ah mais récipient il tape? Ça n'a aucun sens. Y a rien qui va. Oh, double mitraille. Oh merde. Double mitraille, c'est les vrais problèmes. Après il tape. Ouais, il tape vénère quand même. Il tapera que une fois. Mais bon, voilà quoi. Et voilà ce que je propose. Récipient vide. On laisse Roboboom taper une fois. On attend que Robot Mitraille arrive et on le fait péter avec un Robot Sniper. Bon, eux, ils vont me taper fort, par contre. Tout va bien. C'était exactement comme prévu. Non, mais c'est exactement ce qu'on voulait. Dégage, récipient vide. Ça devrait s'appeler Robot Récipient, en fait. Ça devrait clairement s'appeler Robot Récipient. C'est pas grave. Oh putain, bon lui il va tuer mon robot sniper. Super. Ça j'ai pas assez. Dites-moi que j'ai un truc qui tape décemment genre. Ouais. Vous voyez le problème. J'ose pas mettre robot boom sinon je perds tout en fait. On rééquilibre un petit peu les dégâts. Ouais, toi t'es chiant, voilà. L'un dans l'autre. Est-ce que j'ai un robot bouclier? C'est le moment de top deck robot moutri... Merde. C'est le moment de top deck robot bouclier en fait. Je lui mets un robot sauterelle pour l'occuper. Très bien joué. J'aurais dû lui mettre un roboom. Je suis un débile. Mais je perdais mon mineur.
On passe. Oh là là, fuck. Oh là 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 là. Oh, lui, il va taper. Oh, il va le taper comme une merde. Oh, je vais perdre sur ça, hein. Est-ce que limite je devrais pas péter le mineur avant qu'il fasse quelque chose de tragique? Bon, au tour d'après. Il me faut un... Putain, il me faut les robots boucliers. Ils sortent pas, les robots boucliers, depuis tout à l'heure. Bon, va falloir jouer des robots boom contre ces merdes... il va falloir jouer des robots boom. Putain, je sais pas quoi faire. Il me faudrait une carte pas trop relou. Non, robot mitraille pour qu'elle aille trigger robot permutation. Puis quoi encore? Robot mitraillette, vous êtes délus. Mitraillette. Mais vous êtes tous à dire mitraillette? Non mais... Si je mitraillette, c'est loose, hein? Est-ce que vous réalisez ça? Elle trigger deux fois et il reçoit... Quoi? Attaque à gauche et à droite. Non mais c'est faux. Mitraille. Mitraille, elle va taper deux là et je pense que je lose. Je pense que vous essayez de me faire lose intentionnellement. C'est win. Regarde l'effet de sa carte. Ah, ça marche si c'en est une autre. Ça marche même si c'en est une autre. Par contre, il faut que j'attende que la deuxième soit sur le deck pour que ça marche. Bon. Ok. Je dirais pas non, un petit robot bouclier. Hop. Bourrine. Vraiment, je bourrine. Robot permutation, ça va. Je pense que c'est win. Hop, robot énergie, let's go. Hop. C'est peut-être une erreur de te mettre là, toi. On va juste... Nice. Les robots permutation, ils sont stressants. Vraiment, je vais pas... Oh, un upgrade. Bah alors, cette antiquité s'allume plus, je te laisse te lever si tu veux aller chercher une nouvelle pile. Oh! Bah alors? Bah alors? Il marche plus ton board. Tu ne peux entrer que dans la salle d'inspection, va me chercher une pile de l'inspectomètre et reviens. Ok mec, faisons comme ça. Y'a pas beaucoup de lumière par ici. Tiens. Oh, c'est pénible. Le bazar des autres scribes crée parfois des bugs ici. Est-ce que vous vous souvenez des... Ouais. Parce que moi, pas vraiment. Hein. Bon, je me souvenais de 11h. Pas alors. Vol. Ah, ok. Vol en haut. 11h, je m'en souviens. Mais... 11h, je m'en souvenais. Ma question, c'est celui qu'on avait avec les trois. Qu'on voyait qu'avec l'œil. C'était quoi? Celui pour le bas. Elles étaient les trois à peu près dans cette zone. Mais bon. Les trois étaient dans la partie droite du cadran. Je me souviens juste pas exactement où. Il y avait une aiguille sur le 7. Je sais plus, mec. Je sais qu'elles étaient... 4, c'était les heures? Ok. 4, 5, 7? 4, 5, 7? Non. Non. 4, 5, 7, aucune chance. C'était un truc comme As. C'était les toutes, elles étaient toutes à peu près à droite. 7, 2, 3? 2, 7, 5? Mais vous êtes... vous répondez au pif ou c'est comment en fait?
4, 5, 1. Dommage. J'y croyais un peu dans le 4, 5, 1. On va jamais le retrouver. Oh, impression. Imprimante 3D. Est-ce qu'il y a un truc au fond? Bah mec. Oh. ça va me suivre jusqu'à la fin des temps. Ah, bon prodigieux. Je sais. Ah, c'est le... Ok. C'est le livre. Ça va me suivre jusqu'au bout du monde. J'en peux plus, hein. J'en peux plus de ces trucs. J'ai laissé ces trucs éteints, c'est pas grave, t'as qu'à résoudre quelques casse-têtes faciles. Fais pivoter l'emblème jusqu'à ce qu'il soit à l'endroit. Yay! 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 Ok, je suppose que les symboles suivants vont être moins simples. Oh, une caméra, mais une surveille, ça rigole zéro. Sélectionnez tous les carrés dans lesquels il y a des cartes. Donc littéralement tous sauf la maison du mec. Dans lequel il y a des cartes. Ah. Il y en a dans sa maison. Non mais c'était ça, je vous jure, l'astuce c'était il y a des cartes dans sa maison. Sélectionnez tous les... C'est peut-être pas des carrés, ça se trouve c'est des rectangles. Ça se trouve vous êtes en train de vous foutre de ma gueule. Non, c'était pas ça non plus. Bon. Tous les carrés. Ah, des cartes au pluriel. Des cartes au pluriel, j'ai compris, j'ai compris. Un ici, 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 ici. Il doit y avoir des cartes au pluriel dans sa maison. Mais. Mais enfin, c'est super grave. Mais quoi? Attendez, qu'est-ce qu'il y a? Tous les carrés dans lesquels il y a des cartes. Non mais je comprends vraiment pas. Ça veut rien dire, il y a des cartes. Tenez les carrés dans lesquels il y a des cartes. Ah, peut-être que... Ah, merde. Non mais je pensais que c'était une carte de dos. Je pensais que le truc avec la... Je pensais le truc avec la papade de bestiole, c'était une carte dodo en fait. Je pensais que ça comptait dedans. Hein? Hein? Carré dans lequel il y a des cartes. Ça, c'est des cartes, ça? Hein? Ok. Ok. C'est mystérieux, quand même. Hop là! Robot poisson. Poisson robot me cacher pour revanche. Mauvais poisson. Ok. Let's go, une carte supplémentaire. C'est quoi, ça? Quoi ça? Hein? Hein? Ok. Ah, ça c'est une pile ça. Attendez. Si je laisse la pile, je peux pas faire un truc avec? Pas vraiment. Je peut-être donner la pile au petit robot? Non. Faudrait vraiment que j'arrive à me souvenir de ce qu'est le... De ce qu'est le truc. Bon bref. Ça va mec? Voilà une batterie. Code secret, horloge de Great Review, let's go. Bien joué ça. Très bien joué ça. Il y a des gens dans le chat qui sont extrêmement malins. Laissez-moi regarder ce clip.
Ok, c'était c'était 4-5-1. C'est 4-5-1. C'est tout, il fallait s'en souvenir. Est-ce que... Et là, il va pas me laisser repartir, évidemment. Est... Ah, c'est des points de... Ok, ouais, c'est des points de TP. Laisse-moi repartir, frère. Oh, maintenant, il me laisse me... Oh, incroyable, il me laisse me balader. Il me fait confiance, maintenant. 4, 5, 1. Ah, c'est pas ça, du coup. Bah, ça a changé. Ils ont changé le code. Ils ont changé le code. Non, là, t'as 5, 4, 1. Bah non, mec. Du plus petit au plus grand, j'ai vraiment 4, 5, 1. Hein. Inverse. Petit, moyen, grand. Hein. Ouais, ça ne change rien. Les aiguilles sont importantes. Mais je sais, les aiguilles sont importantes. À chaque fois que je donne les trois chiffres, je dis petite, moyenne, grande. C'est 4, 5, 1. Genre, la petite était sur 4, la moyenne était sur 5, la grande était sur 1. J'ai pas fait d'erreur, hein. 4, 5, 1. Marche pas, hein. Non, les amis, hein. Enfin, genre... Il y a peut-être un code différent, mais c'est pas le même... Vous êtes insupportable dans le chat, c'est chaud. Dealer Frenny. Non, mais là, c'est 4-5-1. Hein. Bon, très bien. Jouons aux cartes. Ou juste allons manger, parce qu'il est tard, mine de rien. Hop. Retournons à l'est de la Botopie, déjà. En haut ou en bas? Où c'est qu'il faut qu'on aille? En bas, il y a quoi? Un pont et un dépôt de ferraille. Les griffes recourbées de ses habitants sont à la recherche de robots frais. Attention à tes chevilles. Ok. Il y a des cristaux étranges. On sait pas trop quoi en faire. Il y a quoi en haut? Horrible. Désolé pour le spectacle. C'est la dernière région de Botopie dans laquelle il y a encore de la vie. Cette masse d'imperfections nauséabondes et erratiques. Ah ouais. Oh, un tunnel. Oh, une carte. Chien métallique. Oh. Piquant. Transformation. Piquant, elle a l'air folle. Piquant, elle a trop de flow. Quelle carte incroyable. J'ai envie de voir c'est quoi le symbole radioactif. Oh là. Oh non, tu es venu pile au mauvais moment. Le générateur est sur le point d'exploser. Ou un truc du genre, c'est pas un très très bon GM. Il faut que tu le recharges pour empêcher la catastrophe. C'est une course contre la montre. Oh, j'ai robot poisson. Mécène. Fureur. La carte opposée à cet emblème gagne 1 de puissance. Ça met bien ça. J'ai rien de particulier à jouer là tout de suite. Passons un tour pour voir. 6, 5. Quand mon visage montre 0, tu as perdu. Ok. Faisons comme ça. Il me faut robot énergie rapidement. Il faut que j'arrive à faire quoi en fait? Robot énergie. Hop. On va voir au prochain tour. Hein. Certes, j'ai perdu dans 4 tours, mais c'est pas comme s'il y avait grand chose d'autre à faire. En vrai, le but c'est de tirer un max de robots snipers, voilà, et de les mettre face à des. Et de le mettre face à des. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire. 1, 2. Oh là. Il va falloir faire plus de guet. Il va falloir faire beaucoup plus de dégâts que ça. Wesh. Robot bouclier, putain, c'est jamais dans ces moments-là qu'on tire... Bah, de toute façon, en vrai, qu'est-ce que tu voudrais que je joue de mieux? Qu'est-ce que tu voudrais que je joue de plus? Peut-être qu'il faudrait que je pète les...
Fury FM. Non, Fury FM, ça servira à rien de les casser. Mmh, c'est un deuxième robot sniper. Ouais. Et puis c'est tout, hein. 1-2, 1-2. On n'est pas très loin, hein. Il reste 2 tours. Il reste 2 tours, fuck. Le mineur va taper. Il me reste combien? 1, 2, 3, 4, 5 avec le mineur. C'est bon, ça passe. Non, ça passe, hein. Surtout si je mets 2 cartes, en fait. T'imagines si je mets 2 cartes? Je suis à 6. Ouais, je peux faire robot bouclier, robot poisson. Et vraiment, là, il y a les dégâts, hein. Crois-moi bien qu'il y a les dégâts, hein. Hop là! Tu l'as rechargé avant qu'il n'explose! Je t'applaudirais si j'avais des mains! Merci mec. Il y a les dégâts, il y a les dégâts. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est le truc que je pouvais acheter. Ah, c'est une upgrade. Ok, c'est une upgrade. Ça m'est très très bien. Qu'est-ce qu'il y a besoin d'avoir une upgrade? Qu'est-ce qu'il y aurait vraiment besoin d'avoir une upgrade? Qu'est-ce que je peux mettre comme upgrade? Oh! 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 Oh non, mais ça c'est une folie par contre, le robot sniper one shot. Il a dit choisis poisson. Ouais, mais parce qu'il parle. Non mais le robot sniper one shot les amis. Le robot sniper one shot. C'est un truc de fou. Le poisson, non mais... Ouais... Non, le robot sniper one shot les amis, vous vous rendez pas bien compte. Vous rendez pas bien compte. Hop là, 18 dollars, non pas 18 robots dollars. Ok, bon les amis, il est un petit peu tard, je suis un petit peu fatigué. C'était une bonne partie de jeu de cartes. Je vais vous laisser retourner bosser, je vais retourner bosser sur mes trucs et je vous verrai dans quelques semaines quand je serai libre de faire plein de lives incroyables sur genre Elden Ring et que j'aurai sorti la vidéo. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Et je vous dis à la prochaine. Salut les petits potes. Raid. Ah oui, tu veux un raid? Bonne robot nuit. Tu veux un raid, mon gars? C'est vrai que c'est sympa de raid des gens. Ça fera plaisir à quelqu'un. On va robot raid quelqu'un. Plaisir à quelqu'un. Oh, Grim. On va raid Grim, mec. Il m'avait raid une fois, mais le problème c'est que comme il stream extrêmement tard. Go raid MV, mais le truc c'est que je le connais pas du tout MV, genre. Je sais, genre on s'est jamais parlé, je sais pas si ça se fait de fou, genre. Raid. Grim, il va... Grim, il... En fait je vais faire Grim parce qu'il m'avait raid une fois, je lui ai jamais rendu l'appareil parce qu'il stream super tard et quand il stream, moi je suis parti me coucher depuis longtemps d'habitude. Donc j'ai profité de l'opportunité et je vais raid... Grim Cujo. Le chat de cette chaîne est réservé aux followers ou aux abonnés. Alors. Peut-être. Peut-être bien. Je crois qu'il joue à Red Dead 2 en plus. Quel jeu incroyable. Faudrait vraiment que je fasse Red Dead 2 un jour dans ma vie. Ok les amis. Je vous laisse. Adios. Adios amigos.